La semaine dernière, nous avions donc évoqué ensemble une série de sujets. Enfin, en gros, on avait défini la problématique générale du cours, d'accord, telle qu'elle apparaît, non pas dans le film, mais ici. Donc, en fait, on avait fait une vue cavalière sur ce qui va être le cours. On avait constaté une croissance générale de la population qui accélérait partout. Bon, il y a un cas particulier en Amérique latine qui est lié, en fait, je me suis pas étendu là-dessus, mais qui est lié à l'arrivée des colonisateurs qui apportent des maladies qui ne sont pas connues. On avait vu en particulier à partir de 1750 une accélération considérable du PIB par tête, d'abord dans les dragons européens, plus généralement une croissance à un rythme soutenu en Europe, aux Amériques, avec l'Afrique qui progresse un peu moins vite et l'Asie qui stagne carrément. Là, on parle de PIB par tête et de croissance. Si maintenant on regarde en matière de niveau, tout le monde est à peu près à égalité en l'an 1000 en matière de niveau de vie, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les régions du monde sont au minimum de subsistance. L'Europe de l'Ouest commence à creuser un faible écart qui est visible en 1500, qui est franchement significatif en 1750, qui se maintient ensuite avec l'Europe de l'Est et avec les Amériques au sud des États-Unis, d'accord. En revanche, les dragons, c'est-à-dire donc les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, atteignent un niveau qui est celui de l'Angleterre dès la fin du 19e siècle. Et en 1939, l'Asie et l'Afrique, qui vivent pour l'essentiel sous des régimes coloniaux, ont à peine dépassé le minimum de subsistance. Et en fait, on va rendre compte du fait qu'il y a eu une croissance et puis il y a eu ensuite une décroissance. Le minimum de subsistance, on l'a caractérisé comme étant 1 dollar parité de pouvoir d'achat 1990 par jour. Ça correspond à un panier de consommation qu'on a caractérisé. C'est maintenant presque 2 dollars 2019 par jour. Ce panier de subsistance, on a vu que c'est 160 kilos de céréales, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, l'élévation du... Alors, on a constaté, j'ai plutôt évoqué ça, que j'en ai parlé précisément, mais on s'est dit que l'élévation du PIB par tête, c'était pas une élévation uniforme du PIB par tête, mais c'était probablement représentatif de... la proportion de la classe moyenne urbaine dans les pays, en prenant l'exemple de l'Italie en particulier. Bon, et puis on avait commencé à parler de mortalité, mais on n'avait pas été très loin sur les affaires de mortalité. Donc je voudrais revenir avec vous là-dessus, parce qu'en fait, la principale cause de l'augmentation de la population, c'est évidemment le recul de la mortalité et dans un premier temps, le maintien de la natalité. Alors, on était entré dans la question de la population par l'espérance de vie, d'accord. Et l'espérance de vie, alors en gros, pour bricoler avec l'espérance de vie, je vous ai fait une jolie feuille Excel qui montre une table de survie complètement fictive. Le seul intérêt de cette table de survie, c'est que ça permet en fait de regarder comment l'espérance de vie évolue en fonction, en gros, de la forme et des paramètres de la table de survie. Donc vous avez la table de survie, c'est le graphique. Vous vous souvenez, la table de survie, c'est que vous partez avec 1000 enfants, 1000 naissances vivantes, et puis ensuite, vous avez la population résiduelle chaque année, donc vous avez les années en abscisse et le nombre de survivants en ordonnée. Et puis, à gauche, en haut et à gauche, vous avez en fait des curseurs, des quatre curseurs, et un gros chiffre. Le gros chiffre, c'est l'espérance de vie, qui est calculée à partir de la table de survie que vous avez en fait sous forme numérique à gauche en trois colonnes. Et en fait, cette table de survie, elle est fabriquée par les curseurs. Les curseurs, c'est quoi? C'est d'abord un curseur par lequel vous définissez la mortalité infantile, donc la mortalité avant l'âge entre 0 et 1 an. Ensuite, vous définissez la mortalité, le taux de mortalité juvénile, donc entre 1 et 5 ans. Ensuite, vous définissez la proportion de survivants à 80 ans dans la population des enfants de 6 ans, ceux qui sont sortis de la mortalité juvénile. Et enfin, vous définissez un taux de mortalité terminale. Bon, alors, quel est l'intérêt de ça? On part d'une situation d'espérance de vie qui est 27,9. En 27,9, vous vous souvenez, c'est à peu près la situation... La France d'Ancien Régime, c'est 24,8. Bon, j'ai été un peu optimiste. Mais on peut obtenir du 27,9, par exemple, on peut baisser cette espérance de vie, par exemple, en augmentant la mortalité infantile. Là, j'ai augmenté la mortalité juvénile. On peut aussi augmenter le nombre de gens qui meurent entre 11 et 80 ans. Donc là, typiquement, on est à 24,8. Comment est-ce qu'on arrive à 24,8? Ben avec une mortalité infantile de 30%, donc il y a 30% des enfants vivants qui meurent dans la première année, une mortalité juvénile de 20%, c'est-à-dire qu'il y a encore 20% des survivants qui vont mourir
entre 1 et 5 ans. Ensuite, il y a 4% de ceux qui vivaient le jour de leur 6 ans, c'est-à-dire le jour de leur 5e, enfin, le lendemain de leur 5e anniversaire. Il y a 4% des gens qui vivaient à ce moment-là qui vont arriver à 80 ans. Et une fois qu'ils auront 80 ans, ils vont mourir au rythme de 30% par an. D'accord ? Donc ça, ça vous donne 24,8 années d'espérance de vie. Je ne vous dis pas que c'est la vraie table de survie de la population française de 1740, mais ça en donne une idée, parce qu'effectivement, le taux de mortalité infantile est le bon. D'accord ? Enfin, il est à peu près le bon. Il est de l'ordre de 30%. Alors pourquoi ça a un intérêt de voir ça ? C'est uniquement pour montrer qu'en fait, si on veut avoir un impact sur l'espérance de vie, en fait, il faut agir en début de vie. D'accord ? Parce que si vous augmentez la survie des vieillards, quand par exemple on fait baisser le taux de mortalité après 80 ans, qui là il est de 30% par an, si on le met à 5% par an, vous voyez, ça n'augmente l'espérance de vie que de 0,3 ans. On a diminué le taux de mortalité, on a divisé par 6 le taux de mortalité, et ça n'a augmenté que de 0,3 ans l'espérance de vie, pour une raison simple, c'est que des gens de plus de 80 ans, il en reste très peu, donc ça a très peu d'impact sur l'espérance de vie de toute la population. Et d'ailleurs, l'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a réglé, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la mortalité entre 6 et 80 ans, elle est faible, d'accord ? On va dire qu'il y a 85% de la population, il y a 85% de la population qui arrive à 6 ans, qui arrive ensuite à 80 ans. On va remettre cette mortalité à un taux plus élevé. La mortalité juvénile, elle est très faible aussi, d'accord ? Et surtout, la mortalité infantile, qui était, en fait, donc, comme on l'a dit, de l'ordre de entre 30 et 35% de la France d'Ancien Régime, aujourd'hui, elle est pratiquement nulle. D'accord ? Quand je dis qu'elle est pratiquement nulle, c'est qu'elle est inférieure à 1%. Bon, mais vous voyez que ce qui a un impact très fort sur l'espérance de vie, c'est évidemment la mortalité infantile, pour une raison simple, c'est que si vous permettez à tout le monde de passer le cap d'un an, ensuite, tout le monde va pouvoir aller plus loin. Si vous supprimez la moitié de la population entre 0 et 1 an, la contribution de la moitié de cette population à l'espérance de vie, c'est zéro. Alors que si vous les laissez aller jusqu'à 1 an, ils vont avoir une contribution à l'espérance de vie. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le type d'espérance de vie qu'on a, ça s'obtient avec une mortalité infantile inférieure à 1%, une mortalité juvénile inférieure à 2%. Là, on a... On va dire qu'on a 99% des survivants à 6 ans qui arrivent à 80 ans. Et puis ensuite, après 80 ans, on a un taux de mortalité qui est faible. D'accord ? Ce qui nous amène effectivement au type d'espérance de vie qu'on a, c'est-à-dire de l'ordre de 83 ans. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour augmenter l'espérance de vie, il faut baisser de manière très importante le taux de mortalité après 80 ans. Et baisser de manière très importante le taux de mortalité après 80 ans, c'est compliqué parce qu'après 80 ans, les gens n'ont pas tous les mêmes maladies. Enfin bref, donc faut agir, il faut développer énormément la médecine pour avoir encore un effet sur l'espérance de vie quand on a déjà réglé les problèmes de la mortalité infantile, etc. Alors, donc une fois que vous avez compris la mécanique qui est de dire que finalement ce qui va avoir le plus d'impact, ça va être d'avoir une action sur la mortalité aux âges jeunes. On peut se dire qu'en fait, on va avoir, pendant la période qui va en gros du début du 19e siècle, aux années 30, on va passer d'un point de départ qui est le régime traditionnel de mortalité à un point d'arrivée qui est le régime moderne, même si ce régime moderne il n'est pas encore étendu à tout le monde, on va déjà comprendre ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est le point de départ ? C'est donc cette espérance de vie adulte qui est de l'ordre de 25 ans, enfin entre 25 et 30 ans, on va dire. Cette espérance de vie adulte de l'ordre de 30 ans s'explique par une mortalité infantile très élevée, 30%, donc il y a 30% des naissances vivantes qui ne vont pas au-delà de la première année, une mortalité juvénile encore très élevée, et tout ça c'est le fait de quoi ? C'est le fait d'un régime démographique où, en gros, on meurt souvent de maladies infectieuses, enfin on meurt la plupart du temps de maladies infectieuses, vous pouvez aussi vous faire manger par la bête du Gévaudan, d'accord, ou bien être tué dans des troubles civils, mais en général c'est maladies infectieuses, parce que... il n'y a pas d'hygiène. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas d'hygiène, c'est tout simplement qu'on ne connaît pas les mécanismes de propagation des maladies. D'accord ? C'est pas que les gens du Moyen-Âge sont sales. Le Moyen-Âge, ils sont un peu plus propres qu'à l'époque moderne. C'est vrai que les Français, à l'époque moderne, ne se lavent pas beaucoup. Vous savez que Louis XIV a pris son premier bain à l'âge de 7 ans, ce qui veut dire que quand même, jusqu'à 6 ans et 364 jours, il n'était pas d'une propreté extrême. Alors, on se lave pas beaucoup, justement parce qu'en fait, on pense que les maladies sont transportées par l'eau ou par l'air. On ne connaît pas exactement le vecteur de transmission des maladies, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'hygiène. C'est que la conception qu'on se fait de l'hygiène, ce n'est pas la bonne.
Vous avez tous dû voir, et toutes d'ailleurs, ces illustrations des médecins vénitiens qui, en temps de peste, se promènent avec un masque qui porte un long nez. D'accord, c'est pas pour sembler à des oiseaux. C'est parce qu'en fait, dans le nez, ils mettent des sacs d'épices, en particulier de clous de girofle, qui sont censés purifier l'air, parce qu'on pense que c'est l'air qui transporte la maladie. D'accord, c'est la théorie des miasmes, la théorie miasmatique. Bon, alors, réflexion faite, maintenant, on a compris que c'était pas tout à fait l'air. Oui, pardon. Attendez, en fait, je ne vous entends pas du tout parce qu'il y a une ventilation. Même si ce n'est pas en bas. Oui. Pas beaucoup quand même. Alors, écoutez, il y a un autre exemple, parce qu'après, on va m'accuser d'être anti-monarchique. Napoléon Bonaparte était réputé se frictionner d'eau de Cologne et en consommer un litre par jour. D'accord. Quand vous mettez un litre d'eau de Cologne par jour, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Ce que vous avez à cacher, c'est que vous ne vous sentez pas très bon. Alors, on peut expliquer ça par le fait que quand il était sur les champs de bataille, c'était pas très pratique d'avoir une douche ou une baignoire, d'accord. Mais néanmoins, la réputation des Français, c'est qu'ils étaient dégueulasses, on peut le dire. Si vous vous figurez ce que c'est que Versailles au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est d'abord un truc qui pue. C'est-à-dire que les courtisans défèquent derrière les portes, il y a des immondices partout. Et c'est aussi pour ça que les épidémies se propagent très vite, d'accord ? C'est parce qu'il y a des ordures et des déjections animales et humaines partout, qui sont évidemment des foyers de contamination. Tout ça parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des petites bêtes là-dedans qui s'appellent qu'on appelle après des microbes, qui sont des bactéries en gros, qui ont le pouvoir de transmettre les maladies infectieuses. Bon, la découverte des virus, c'est encore plus tard. La découverte des bactéries, ça se fait quand ? Qu'est-ce qui découle les bactéries ? C'est Louis Pasteur, d'accord, donc c'est un médecin français dans les années 1860. Donc avant 1860, il y a des gens qui anticipent que c'est des petites graines qui se promènent, mais ils les ont jamais vues. D'accord. C'est Pasteur qui voit des bactéries au microscope et qui dit ça c'est ça qui est l'agent infectieux. D'accord. Donc avant, parce qu'on ne sait pas quel est l'agent infectieux, on ne sait pas ce que c'est que la propreté. Par ailleurs, vous savez qui est le premier à demander aux médecins de se laver les mains avant de procéder à des opérations. Et vous savez quand ça se passe. Non, c'est quand on parle d'hygiène. Le premier, c'est un médecin qui s'appelle Semmelweis, qui est médecin obstétricien à Vienne. Le romancier français Céline a d'ailleurs fait sa thèse de médecine sur Semmelweis. Et il exige, donc il est non seulement médecin obstétricien, mais il est surtout chef du service d'obstétrique dans un hôpital de Vienne, et il exige que les médecins de son service se lavent les mains avant d'accoucher les femmes. On se lave les mains. Entendons-nous. Les médecins n'arrivaient pas pour accoucher les femmes après avoir dégorgé les chiottes de l'étage, d'accord. Mais il exige que les médecins se lavent les mains à l'eau de chaud de manière à tuer tout ce qui pourrait avoir un effet antiseptique, qui n'est pas démontré, puisqu'encore une fois, Semmelweis n'a jamais vu de microbe. Mais son idée, c'est qu'il faut se laver les mains de manière extrêmement forte. Le résultat de se laver les mains avant d'accoucher les femmes, c'est que le nombre de fièvres, enfin en gros de maladies mortelles pour les femmes qui accouchent, baisse de 50%, pratiquement. D'accord ? Donc de fait, dès qu'on se met à avoir des mesures d'hygiène, comme le fait de se laver les mains avant de procéder à des opérations chirurgicales, on fait baisser la mortalité de 50%. Donc c'est dire quand même que c'est pas très compliqué au début de faire baisser la mortalité. C'est moins compliqué que de développer des traitements contre le sida. Bon, donc un, il n'y a pas d'hygiène, ce qui fait que les infections sont plus nombreuses, que les épidémies se propagent. Quand vous ne savez pas que le choléra, ça vient par des bactéries qui sont dans l'eau, évidemment, vous allez boire de l'eau du puits. Alors, tous les gens qui ont bu de l'eau dans le puits sont morts. Donc, si vous allez boire derrière, vous allez mourir. D'autant plus que, en fait, il n'y a pas de prophylaxie, c'est-à-dire en particulier, il n'y a pas de vaccin. Parce que les premiers vaccins, encore une fois, c'est Pasteur. Et si, malheureusement, vous attrapez une maladie dont vous ne savez pas comment vous l'avez attrapée et contre laquelle vous ne pouvez pas être vacciné, en plus, il n'y a pas de remède. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'antibiotiques. D'accord ? Alors, après, vous pouvez prendre des herbes, des plantes, des tisanes. Allez vous promener tout nu sous la lune quand il pleut, mais bon, ça, c'est... En fait, c'est assez peu efficace, d'accord. L'invention des antibiotiques, ça se fait en deux temps. D'abord, les sulfamides, qui sont donc une classe de composés chimiques de synthèse, dont l'action est découverte dans les années 20, en particulier par un pharmacien français qui s'appelle Ernest Fourneau. Et ensuite, dans les années 40, la fameuse pénicilline, qui est en fait synthétisée par hasard. Donc ce qu'on voit pointer, par contraste, ça va être un régime de mortalité où, parce que
On a de l'hygiène, d'une part, donc on a moins de maladies. D'autre part, on a des vaccins qui permettent non seulement de protéger les gens individuellement, mais quand vous protégez tout le monde, vous pouvez même faire complètement disparaître la maladie. D'accord ? C'est le cas de la variole aujourd'hui. Il n'y a pas eu de cas de variole dans le monde depuis 1968, alors que historiquement, la variole tuait un être humain sur 8. D'accord ? Or, d'ailleurs, l'un des sujets de la vaccination, c'est qu'il faut se vacciner non pas seulement pour se protéger soi-même, mais parce que s'il y a suffisamment de monde qui est vacciné dans une population, la maladie infectieuse ne peut plus se diffuser. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où de l'ordre de 90% de la population est couverte par la vaccination, la maladie infectieuse ne peut plus se diffuser et donc il n'y a plus de mécanisme épidémique. Et puis, bien sûr, l'invention donc des chimiothérapies, des antibiothérapies. Bon, alors, donc ça, on voit que l'hygiène, ça commence dans les années 1850, la vaccination, ça commence dans les années 1860, les chimiothérapies et antibiothérapies, ça commence dans les années 20. C'est pas encore diffusé. Pour pouvoir diffuser ça, il faut évidemment mettre de l'argent là-dessus, parce qu'il faut former des médecins, parce qu'il faut avoir des remèdes à disposition, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même si, en 1930, on a tout ce qu'il faut pour vivre dans le régime moderne que nous connaissons, le développement des chimiothérapies et des antibiothérapies, ça veut dire qu'il va falloir trouver des médicaments adaptés, donc il va falloir de la recherche, et ensuite il va falloir pouvoir produire ces médicaments pour un coût suffisamment faible pour les vendre à tout le monde, et puis permettre à tout le monde d'y accéder avec des systèmes de sécurité sociale, ça va prendre que c'est pas encore terminé, d'accord ? C'est-à-dire que de fait, on continue de trouver des nouveaux médicaments, il y a beaucoup de gens et de pays qui ont évidemment pas les moyens d'acheter ces médicaments, etc. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que au cours du XXe siècle, au début du XIXe siècle, on est même encore en 1830, on est dans un régime qui est le même régime de mortalité que dans l'Antiquité, ou même à la préhistoire, d'accord ? Sauf qu'à la préhistoire, comme avant l'invention de l'agriculture, avant que les hommes se concentrent en village, il n'y a pas d'épidémie. D'accord ? Donc, avant l'invention de l'agriculture, on meurt parce qu'on se fait manger par les bêtes sauvages. À partir du moment où on se réunit pour faire des villages autour des champs, on commence à être soumis aux épidémies. Et là, on a le même régime de mortalité jusqu'aux années 1850, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va se mettre à se laver les mains. Après, il y a les vaccins, après, il y a les antibiotiques, et après, il faut les diffuser à tout le monde. Voilà. Bon, et donc, du coup, ce qu'on voit arriver, c'est que les progrès les plus intenses et les plus rapides de l'espérance de vie, vous pouvez le voir c'est essentiellement, pour les pays qui vont être les premiers à les faire, ça va être quand même dans les années 1900 à 1950, parce que c'est le moment justement où les vaccins et l'hygiène vont se diffuser, et le moment où les antibiotiques vont commencer à être actifs. Donc vous voyez en fait, pour la moyenne européenne, on passe de 46 à 67 ans d'espérance de vie entre 1900 et 1950. On gagne 20 ans d'espérance de vie. Ce qui est quand même considérable, parce que ça signifie en gros que... Alors, ça signifie évidemment pas que tout le monde mourrait à 45 ans et que tout le monde va jusqu'à la retraite, d'accord ? Puisque, en fait, la mortalité infantile était encore de 150 à 200 pour 1000, donc de 15 à 20% en 1900. Elle régresse considérablement, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en 1950... dans les pays d'Europe de l'Ouest et apparentés, à peu près tout le monde se met à devenir vieux. D'accord ? Et donc ce qui devient nouveau, c'est que on n'est plus comme autrefois, on n'a plus comme autrefois une population qui meurt à tous les âges, on se met à mourir vieux. Et ça change un peu le regard qu'on a sur l'humanité, parce que tout le monde se dit qu'il va pouvoir avoir une vie pleine, enfin une vie complète. Et mine de rien, c'est quand même un changement considérable. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant ce nouveau régime de mortalité, la vie, c'est la loterie, d'accord ? Vous avez, en gros, la mortalité, c'est une loi uniforme sur la vie. Vous pouvez vivre un an comme vous pouvez vivre 100 ans. Du coup, c'est pas le même rapport à l'avenir. Si tout le monde sait, si nous savons tous que nous allons vivre jusqu'à 67 ans ou 70 ans, on va tous faire des projets. On va tous vouloir acheter une maison pour avoir des enfants, pour pouvoir recevoir nos petits-enfants. On va tous investir dans notre formation en se disant que ça vaut le coup de se former parce qu'on va devoir vivre jusqu'à 70 ans et que si on veut pas... être mis sur la touche sur le marché du travail, il faut quand même apprendre à apprendre. Alors que si vous ne savez pas si vous allez vivre jusqu'à 12, 18, 25 ou 35 ans, c'est peut-être pas une nécessité d'aller jusqu'à l'université jusqu'à 25 ans, si par ailleurs, vous avez une chance sur deux de mourir à zéro, d'accord ? Et encore une chance sur deux de mourir à 16, et encore une chance sur deux de mourir à 25. Bon. Donc de fait, ça non seulement ça change le bien-être, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui se trouvent assez bien de vivre, mais en plus, ça change la relation qu'on a au temps, et donc évidemment, ça change les comportements d'investissement, pas seulement en termes de capital productif, mais aussi en termes de capital humain. D'accord. Bon, donc,
Pour résumer cette grande transformation, comme on l'a dit, ou cette grande divergence, ce qu'on voit, c'est qu'on voit en fait les pays qui sont en grande partie les pays d'Europe, on voit une accélération de la croissance du PIB par tête à partir de ce qu'on a appelé la révolution industrielle, et puis on voit une accélération, une augmentation rapide et forte de l'espérance de vie, qui ensuite se diffuse au reste du monde. Parce que ce que vous voyez, c'est que, rendu en 1999, à peu près tous les pays, toutes les régions du monde ont la même espérance de vie. Alors je dis à peu près, c'est pas très gentil, parce que c'est vrai que la moyenne africaine est encore de 52 ans. Pour des raisons qui sont quand même en grande partie liées à la mortalité infantile, et donc à la possibilité de mailler les territoires avec des réseaux de soins de proximité. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'uniformité dans l'espérance de vie que dans le PIB par tête, par exemple. Et le rattrapage en matière d'espérance de vie a été beaucoup plus rapide qu'en termes de PIB par tête. Bon, et puis on peut faire une parenthèse en disant qu'aussi, c'est sur l'espérance de vie qu'il y a un phénomène intéressant qui est en train de se développer, c'est qu'il y a un certain nombre de pays où l'espérance de vie était élevée et où elle commence à baisser. D'accord, l'espérance de vie a commencé à baisser en Russie depuis plus de 15 ans. L'espérance de vie a commencé à baisser aux États-Unis depuis 2016. Et donc on peut se demander si, justement, la baisse de l'espérance de vie dans des pays qui étaient des pays où les gens avaient plutôt envie d'aller vivre, d'accord, vers lesquels il y avait plutôt une immigration positive, enfin la Russie ça reste à voir, mais en tout cas il y a des gens qui allaient faire leurs études en Russie. Donc la baisse de l'espérance de vie, on peut se demander si c'est pas un mécanisme précurseur de quelque chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la baisse de l'espérance de vie, ça s'explique par l'augmentation des inégalités. Je ferme la parenthèse et j'en viens à la suite des opérations, qui est que puisqu'on a caractérisé la divergence entre les pays d'Europe, de l'Ouest et les dragons, un peu le Japon aussi, et puis le reste du monde, on va s'intéresser et s'interroger évidemment sur les causes de cette divergence. Et la première cause qu'on va mettre en avant, c'est l'existence d'un phénomène technique spécial, qui est l'existence de la révolution industrielle. Donc là, je vais vous présenter des vrais transparents, ce sera d'ailleurs à peu près les seuls du cours, qui ont pour objectif en fait de vous exposer concrètement ce que c'est que la révolution industrielle, ou plutôt quels sont les aspects matériels de la révolution industrielle. Vous voyez que je ménage un suspense considérable, c'est pas de mon fait, mais c'est que mon ordinateur va pas vite. En particulier parce que, en gros, la révolution industrielle, vous avez tous des idées sur ce que c'est, mais probablement pas des idées très précises. Or, c'est pas plus mal de passer en revue les machines qui transforment la vie des personnes, la vie de nos ancêtres, pour comprendre ce qui se passe. Bon, s'il fallait vous demander qu'est-ce que c'est le symbole de la révolution industrielle, vous répondriez parfait. Bon, effectivement, c'est ce truc-là. Et alors, puisque vous l'avez dit, maintenant, se pose la question de savoir comment ça marche, la machine à vapeur. Parce que ça sert à... Enfin, c'est bien de savoir que c'est la machine à vapeur qui est en gros le déclencheur ou le symbole de cette révolution industrielle, c'est important de comprendre comment elle marche. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va d'abord regarder en détail une machine à vapeur, on va se demander à quoi ça sert, on va se demander aussi quelle place ça tient dans l'histoire des techniques, pourquoi ça apparaît au Royaume-Uni, et puis comment ça transforme la société. Parce que c'est pas tout d'avoir une machine à vapeur, mais on va pas seulement la regarder fonctionner, d'accord? Il faut aussi voir... concrètement, ce que ça va produire. Voilà. En fait, quand on dit la machine à vapeur, c'est inexact, parce qu'il y a plusieurs machines à vapeur. Il y a une machine à vapeur de... Alors, si vous voulez aller en voir des vrais, enfin, des maquettes en fonctionnement, il faut aller au musée du CNAM, d'accord ? Puisque le musée du Conservatoire National des Arts et Métiers, c'est le principal musée technique français, et là, vous aurez absolument tout ce qu'il faut savoir sur les moteurs, depuis les moteurs à vapeur jusqu'aux moteurs fusées, avec des machines, soit des machines vues en couple, soit des maquettes en fonctionnement. Bon, à mon sens, c'est l'occasion de passer une après-midi ou une soirée absolument remarquable. Maintenant, ce n'est pas obligé, donc je vais vous en livrer la substantifique moelle. Quand je vous dis, en particulier au musée du CNAM, vous auriez la première machine à vapeur, qui est la machine de Thomas Avery, sur laquelle je ne reviendrai pas, parce qu'elle avait la particularité de ne pas fonctionner. D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, elle fonctionne en théorie, mais elle ne produit pas une puissance suffisante pour être économiquement intéressante. La première machine qui est économiquement intéressante, c'est la machine de Newcomen. C'est un truc comme ça. On va détailler le fonctionnement dans une seconde, mais c'est un truc qui est quand même relativement rudimentaire. C'est une pompe à balancier, en gros. Et vous remarquez d'ailleurs que pompe à balancier, il y a encore des pompes à pétrole qui fonctionnent comme ça. Vous pouvez d'ailleurs en voir pas loin d'ici, puisque si vous prenez l'autoroute A4 pour aller voir Mickey, sur le bord de l'autoroute, vous verrez des machins comme ça qui ne sont pas des pompes à vapeur, d'accord, mais qui sont des pompes à pétrole, puisqu'il y a du pétrole dans le sous-sol parisien. C'est pas actionné par un moteur à vapeur, c'est actionné par un moteur électrique.
mais ça fait le même mouvement de balancier, parce que l'objet est le même, c'est-à-dire de pomper du pétrole. Enfin, la machine de Newcomen, c'est une pompe à eau. Enfin, c'est une pompe. La machine qu'on considère comme la plus intéressante, c'est la machine de Watt. En fait, la deuxième machine de Watt, elle est plus intéressante parce que c'est pas seulement un mouvement de va-et-vient, c'est qu'en fait, Watt a réussi à transformer le mouvement de va-et-vient en mouvement circulaire. Et puis en plus, il a réussi à réguler l'activité de la machine, parce qu'on va voir dans une seconde. Alors, comment ça marche, la machine de Newcomen? La machine de Newcomen, fondamentalement, c'est une marmite. Donc vous voyez, la marmite, elle est en fait en bas à droite. Cette marmite, elle contient de l'eau, et sous la marmite, on fait du feu. Quand vous mettez une source de chaleur sous l'eau, et que, en plus que l'eau est contenue dans une marmite, naturellement, l'eau chauffe, fait de la vapeur, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la vapeur est sous pression. Elle est d'autant plus sous pression qu'en fait, elle va s'échapper dans un cylindre. Donc un cylindre, c'est un tube fermé. Et dans ce cylindre, il y a un piston. Ce piston, il fait des va-et-vient. Pourquoi est-ce qu'il fait des va-et-vient? Il fait des va-et-vient dans un premier temps parce que, justement, la vapeur qui est dans la marmite s'accumule dans la marmite et pousse le piston vers le haut. D'accord? Ça pousse le piston vers le haut, simplement, justement, sous l'effet de la pression de la vapeur. Et donc, comme le piston est poussé vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que, vous voyez, en fait, le balancier qui est lesté, il va aller vers le bas. Et donc, de fait, la droite de l'installation va monter, et donc la partie gauche va baisser. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il se passe qu'on a une valve qu'on va ouvrir, et qui va mettre de l'eau. Alors, c'est là que mon dessin n'est pas très précis. En fait, l'eau, on la met plutôt au-dessus du piston. On met de l'eau au-dessus du piston. Ça a un double effet. D'abord, ça crée un poids. Ensuite, ça refroidit la vapeur. Et comme ça, à la fois, ça refroidit la vapeur, donc la vapeur se condense. Donc, il n'y a plus d'effet d'expansion. La vapeur se condense, ça veut dire que son volume diminue. Et en plus, le poids de l'eau va peser sur le cylindre. Et donc, tout ceci va faire que le balancier va faire un mouvement de retour. Et puis ensuite, la vapeur qui est dans la bouilloire va pousser l'eau vers le haut. L'eau va s'évacuer sur les côtés du cylindre. Et puis, on recommence le cycle. D'accord? Et donc, la machine à vapeur de Newcomen, c'est tout simplement un cycle où ça monte et le piston monte et descend. Il monte sous l'effet de l'eau et il descend sous l'effet du poids, d'une part. Il descend sous l'effet du... Alors, le piston monte sous l'effet de la pression de la vapeur d'eau et il descend sous l'effet du poids de l'eau qu'on met sur le piston. Donc ce mouvement de va-et-vient, en fait, il n'y a qu'un seul mouvement moteur qui est dû à la vapeur. La vapeur, elle ne travaille en fait que dans la montée du piston, puisque dans la descente du piston, c'est l'eau qui, par gravité, fait tomber le piston. Enfin, bon, et c'est quand même un truc extrêmement rudimentaire, puisque le mouvement de va-et-vient, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et de fait, la machine de Newcomen, elle sert à une seule chose, c'est à alimenter des pompes, enfin, à faire fonctionner des pompes. Alors, à quoi servent ces pompes, en fait? Elles servent à drainer l'eau qu'il y a dans des mines. Ça tombe bien, parce que les mines, c'est des mines de charbon. Et donc, l'idée, c'est qu'en gros, vous voulez exploiter une mine de charbon. Ben, pour exploiter votre mine de charbon, le problème de la mine de charbon, c'est qu'en fait, le charbon, il est dans des veines qui sont souterraines, dans lesquelles, en général, il y a des infiltrations. Ces infiltrations, ça représente de l'eau. Et donc, cette eau, au fur et à mesure que vous vous enfoncez, il y a un moment où elle va stagner parce que vous allez taper des couches imperméables. Et donc, les mineurs vont se retrouver avec beaucoup d'eau. Donc, il faut l'enlever pour que l'exploitation puisse continuer. D'accord? Et donc, l'avantage d'utiliser une machine à charbon pour vider la mine de charbon, c'est que le charbon, on l'a sur place. Voilà. Voilà pour la machine de Newcomen, d'accord? Où, en fait, le moteur, c'est-à-dire la vapeur fait monter le piston, mais en fait, ce qui fait redescendre le piston et donc qui produit l'effet de traction et donc l'effet d'aspiration de la pompe, c'est pas la vapeur, c'est la gravité et l'eau. Alors, donc, on a dit l'unique application, c'est le pompage de l'eau dans les mines. L'efficacité de la pompe, ben, en fait, c'est exactement la même efficacité que les pompes des ingénieurs florentins au XVIe siècle, c'est qu'on fait remonter l'eau sur 10 mètres, une dizaine de mètres. Après, ça dépend en fait de l'étanchéité des tampons du piston, d'accord, et de l'étanchéité des tampons de la pompe, mais c'est de l'ordre de 10 mètres. La consommation de ce truc, c'est environ 20 kg de charbon par cheval vapeur, enfin par unité de puissance, d'accord, et par heure. Bon, 20 kg de charbon et beaucoup d'eau. Parce que alors là, il faut énormément d'eau, parce que non seulement il y a l'eau pour la vapeur, mais il y a en plus l'eau que vous mettez sur le cylindre. Voilà. Et alors, ensuite, on va avoir la deuxième machine de Watt. Pourquoi on va avoir la deuxième machine de Watt? Parce qu'en fait, la première machine de Watt, c'est pratiquement la même que ça. La première machine de Watt, c'est une machine de Newcomen améliorée, où il y a un condenseur qui est séparé. Du coup, c'est plus efficace. Mais ça ne représente pas une innovation considérable, parce que dans la première machine de Watt, il y a toujours le mouvement de balancier
qui est 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord ? Alors que le vrai truc de la deuxième machine de Watt, c'est en fait, c'est ce truc-là qui tourne, et dont on va expliquer. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce truc-là, figurez-vous, que en fait, il y a déjà pratiquement toutes les pièces de ce qui va devenir le moteur à explosion, c'est-à-dire le machin que vous aurez connu enfant, et qui va bientôt complètement disparaître, puisque le moteur à pétrole des voitures, qui est essentiellement utilisé dans les automobiles maintenant, et un peu dans les navires, pratiquement plus dans les avions, ce truc-là devrait disparaître d'ici une vingtaine d'années. Mais en fait, c'était le lointain héritier de la vapeur. Donc en particulier, il y a les mêmes pièces mécaniques. Alors, on va les caractériser, leur donner des noms. On va commencer par ce qui existait déjà chez Newcomen, c'est le piston. Vous voyez, le piston, c'est ce qui s'agite dans le cylindre. Donc le cylindre, c'est un tube. Et dans le cylindre se déplace le piston. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que, en fait, le piston, maintenant, il est horizontal. Il n'est plus vertical. Donc il n'y a plus besoin de la combine de Newcomen, c'est-à-dire d'utiliser la gravité, la vapeur d'eau, la condensation. Là, en fait, c'est la vapeur qui pousse dans les deux sens. Et c'est là qu'en fait, la machine de Watt est infiniment plus sophistiquée que la machine de Newcomen. Donc, c'est parce que Watt a réussi à concevoir un système qui permet à la vapeur de pousser dans les deux sens. Alors, d'abord, avant de voir comment ce système fonctionne, il faut comprendre en fait que le piston, ce qu'il va produire, c'est qu'il va pousser une bielle, d'accord ? Et cette bielle, c'est elle qui va transmettre son mouvement à une roue. Alors en fait, d'ailleurs, il y a deux bielles, d'accord ? C'est-à-dire que le piston pousse une première bielle qui est solidaire du piston, et puis il y a une rotule. Et puis il y a une deuxième bielle qui tourne sur la rotule et qui est en fait reliée à la manivelle de la roue. Et c'est ça qui va permettre d'actionner la roue et de transformer le mouvement du piston qui reste un mouvement de va-et-vient en un mouvement circulaire. D'accord ? Bon, alors ça aussi, si vous allez au musée du CNAM, c'est absolument sublime. Il y a un étage entier, mais il y a des vitrines entières avec des engrenages. Et justement, avec quel type d'engrenage permettent de transmettre, de changer la forme du mouvement, c'est-à-dire de transmettre un mouvement de va-et-vient et de le transformer en mouvement circulaire, ou bien en mouvement orbital, etc. Et ça, évidemment, tout ça, c'est les grandes inventions de la mécanique de la fin du 18e et du 19e. Bon, mais en fait, il ne suffit pas, à vos souhaits, en fait, il suffit pas de mettre une roue, parce que si vous contentez d'avoir une roue qui correspond au diamètre dont vous avez besoin, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que on a deux traits qui partent en diagonale. Ces deux traits qui partent en diagonale, c'est la courroie qui va transmettre l'énergie qui est produite par la machine. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on a une roue qui a un diamètre plus large aussi. Cette roue qui a un diamètre plus large, c'est pas qu'on veut changer de vitesse, d'accord ? C'est pas comme sur un moyeu de vélo, où vous avez des couronnes de diamètres différents pour avoir des vitesses différentes. Là, on a en fait une seule vitesse, qui est la petite roue centrale, et on a besoin d'avoir un truc très large, qu'on va appeler en fait un volant d'inertie, pour une raison très simple, c'est qu'il faut régulariser le mouvement. D'accord ? Il faut régulariser le mouvement. Et en fait, pour régulariser le mouvement, on a un volant qui est beaucoup plus important que le diamètre de la courroie, si vous voulez. Et ce grand volant d'inertie, il va être en général en métal massif. Il va être lourd, donc il va être difficile à mettre en mouvement. Et parce que la machine à vapeur, quand elle démarre, elle donne des à-coups. Et puis ensuite, la rotation va se régulariser et va régulariser le mouvement de la machine. Ça a deux avantages. D'abord, en fait, ça rend la machine plus fiable, parce qu'au lieu de fonctionner par à-coup, elle va fonctionner de manière régulière. Donc ça évite que les articulations s'abîment. Et puis, de fait, pour les applications, c'est évidemment plus intéressant d'avoir un mouvement circulaire régulier que d'avoir des coups de boutoir, d'accord ? Comme on va le voir. Bon, donc de fait, par rapport à la machine de Newcomen, on a un mouvement qui est de meilleure qualité, puisqu'il est, en gros, smooth, il est régulier. Voilà. Une fois que vous avez compris le principe de la bielle manivelle, on va pouvoir comprendre comment se fait l'admission dans le cylindre et qu'est-ce qui va permettre d'avoir le mouvement bidirectionnel du cylindre. C'est qu'en fait, et ça c'est le truc le plus youx pratiquement de l'affaire, c'est que Watt, il effectue la distribution de la vapeur dans le cylindre grâce à un tiroir. Vous voyez, il y a un tiroir qui se déplace et il y a un tiroir qui va boucher alternativement chacune des deux lumières. D'accord ? Il y a une lumière qui est située à gauche et une lumière qui est située à droite du cylindre. Et en fait, quand le tiroir est sur la lumière de droite, la lumière de gauche est ouverte et la vapeur entre par la lumière de gauche et pousse le piston vers la droite. Ensuite, vous fermez la lumière de gauche, la vapeur va entrer par la lumière de droite et pousser le piston dans l'autre sens. Et donc, en fait, il faut boucher les deux lumières en alternance. Et pour obtenir cette alternance, en fait, on relie la lumière via une autre bielle, que vous voyez qui est la petite bielle,
elle est reliée à une excentrique qui tourne autour de la roue, tourne sur l'axe de la roue principale. Et donc, en fait, la roue principale, en tournant, entraîne cette excentrique qui va entraîner un mouvement de va-et-vient du tiroir. Alors, tout le truc, c'est évidemment la synchronisation du mouvement de la roue principale avec le mouvement du tiroir. Et ça, ça a pris 20 ans à Watt. Et alors, c'est d'autant plus youx qu'en fait, le mouvement n'est pas réglé une fois pour toutes. Parce que tout le problème, c'est que, comme on l'a vu, quand la machine démarre, elle est lente et elle donne des à-coups. Quand la machine accélère, elle va fonctionner de manière régulière. Donc il faut en fait, il faut qu'il y ait un dispositif qui règle en quelque sorte le mouvement de l'ensemble. Et donc l'invention finale de Watt, ça va être, la bielle et l'excentrique. L'invention finale de Watt, c'est cette espèce de machin qui tourne. Et ce machin qui tourne, c'est un régulateur à boules. Et en fait, le régulateur à boules, ce qu'il fait, c'est qu'il commande la soupape d'admission. C'est-à-dire, c'est lui qui va commander la quantité de vapeur qui arrive dans le piston. D'accord ? Enfin, qui arrive dans la boîte de distribution, dans laquelle il y a le tiroir qui fait la vie à la lumière, la distribution dans le piston. Dans le cylindre qui fait bouger le piston. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça fonctionne, ce régulateur à boules ? Ben, en fait, vous avez probablement déjà fait tourner. Je sais pas, si vous prenez si vous prenez un machin sur lequel il y a des boules, par exemple un tacotac, ça existait à votre génération ? C'était pas à la mode, je sais plus à quel moment c'est revenu à la mode. Non, ça devait être un peu avant. Bon, mais en gros, si vous faites tourner, vous voyez bien si vous faites tourner un bilboquet que quand vous le faites tourner vite, plus vous le faites tourner vite, plus le bilboquet va monter. Et plus vous faites, et si d'un coup vous arrêtez, vous faites moins d'efforts, le bilboquet va se baisser. Mais là, l'idée du régulateur à boules, c'est la même. C'est-à-dire qu'en gros, quand la machine va aller plus vite, les boules vont monter. Et comme elles vont monter, elles vont s'écarter du centre de gravité, et donc elles vont produire en fait un effet de résistance qui va fermer la soupape. Et au contraire, quand la machine va ralentir, les boules vont baisser, et donc comme elles vont baisser, ben elles vont se rapprocher du moyeu, et donc en fait, ça va conduire à écarter la soupape et à donner plus de vapeur dans le système. Donc c'est ça, enfin, si vous voulez, c'est en gros le tiroir et le régulateur à boules, c'est ça les inventions de Watt. Et comme vous pouvez le constater, c'est à mille lieues de ce qu'est la machine de Newcomen. Et évidemment, James Watt n'a pas inventé ça tout seul. Évidemment, il y a eu des ingénieurs mécaniciens qui ont bossé pendant tout le XVIIIe siècle pour raffiner la machine de Newcomen. Mais c'est Watt qui a été le premier à sortir de manière commerciale une machine qui comporte toutes ces améliorations à la fois. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, qui transforme le mouvement bidirectionnel d'un piston en un mouvement circulaire régulé par un volant d'inertie et un régulateur à boules. Alors maintenant, on est bien content, une machine à vapeur qui consomme du charbon et de la flotte, qui fait de la fumée et qui fait tourner un truc, qu'est-ce qu'on fait avec ? Ça vous est peut-être une petite idée, d'autant que je vous l'ai dit, en fait. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on pompe. D'accord ? Alors, on pompe, la machine de Savery, elle pompait déjà, comme les Shadock, mais elle n'était pas efficace économiquement. La machine de Newcomen, elle commence à être efficace. Pourquoi elle commence à être efficace ? Parce qu'en fait, une machine de Newcomen qui fait entre 2 et 3 chevaux, enfin, c'est-à-dire qu'il y a la puissance, qui a une puissance mesurée de l'ordre de 2 à 3 chevaux vapeur, elle économise une équipe de 500 chevaux, de 500 chevaux physiques, d'accord ? Puisque avant, ce qui actionnait les pompes, c'était des chevaux qu'on attachait autour qu'on attachait en fait par la poitrine et qui en tournant faisait tourner un engrenage qui actionnait la pompe. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait 500 chevaux ? Parce que les chevaux, ils travaillent pas 24 heures sur 24. Enfin, vous pouvez essayer, mais à mon avis, au-delà de 2 jours, ils risquent de mourir. Donc, les chevaux, ils travaillent qu'un certain temps. Et en plus, quand il y a 500 chevaux, c'est-à-dire qu'il faut les atteler, il faut les dételer. Donc, il faut quelqu'un pour s'occuper des chevaux, il faut leur donner à manger, il faut nettoyer le crottin, il faut les ramener à l'écurie, il faut les brosser. Quand ils sont malades, il faut les soigner. Enfin bref, 500 chevaux, ça bouffe du picotin d'avoine et ça boit de la flotte. Mais en plus, c'est compliqué à manipuler. D'accord ? Et de fait, les grands treuils sur lesquels, enfin les grandes installations sur lesquelles on fait tourner les chevaux pour actionner les pompes, même si il y a que 25 chevaux qui sont actifs à la fois, ben, vous devez les changer régulièrement, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils ne tournent que pendant 3 heures, donc toutes les 3 heures, il faut changer les chevaux, et vous ne pouvez pas les renvoyer employer vos 25 chevaux pendant 3 heures, et puis en mettre d'autres pendant 3 heures, et puis vous remettez les premiers chevaux, parce qu'il faut qu'ils dorment la nuit. Enfin bon, tout ça fait que en gros, il faut beaucoup de chevaux. Et donc, remplacer beaucoup de chevaux par une machine qui consomme 40 ou 50 kg de charbon à l'heure, en fait, c'est économiquement rentable. Et donc, la raison pour laquelle on installe les machines de Newcomen, c'est tout simplement que ça fait faire des économies. Autant la machine de Savery, physiquement, elle marchait, c'est-à-dire qu'elle pompait la flotte,
mais elle consommait trop de charbon, elle était surtout trop souvent en panne, accessoirement, elle explosait trop souvent. Ce qui est quand même gênant, surtout quand vous êtes à côté. Donc, du coup, économiquement, elle n'était pas rentable. La machine à New Common commence à être rentable, si bien qu'au long du XVIIIe siècle, il y en a plus de 70 qui sont installés, pas seulement en France, enfin, pas seulement en Angleterre, pardon, où elles ont été inventées, d'accord. Mais en fait, il y en a dans toutes les régions minières, c'est-à-dire dans le bassin allemand de la Ruhr, dans le bassin minier belge, il y en a même, je pense, qui sont installés en Bohême, donc dans le bassin minier de la République tchèque, enfin, qui est à l'époque l'Empire austro-hongrois. Donc, il y a des machines de New Common partout parce que c'est rentable. D'accord. L'intérêt de la machine de Watt, c'est qu'une fois que vous avez un mouvement circulaire, ben, en fait, vous pouvez actionner beaucoup de machines. Vous pouvez actionner en fait toutes les machines qui sont actionnées par... Quelle était la principale source d'énergie avant l'utilisation de la vapeur ? Bon, il y avait l'énergie musculaire, d'accord, c'est-à-dire que vous pouvez ramer. Vous pouvez aussi utiliser des chevaux, comme on l'a vu. Mais quand on n'utilisait pas les muscles des animaux, l'huile. Alors certes, mais la lampe à huile, elle ne produit que de l'éclairage à cette époque-là. Alors il y a l'eau. Voilà, donc il y a l'eau pour les moulins. Il y a un peu les moulins à vent. Mais les moulins à vent, c'est quand même une utilisation très particulière. C'est-à-dire que c'est moudre le grain. Le problème des moulins à vent, c'est que c'est très irrégulier. Ça dépend du vent. Et ça va, il y a très peu de régions. Alors aujourd'hui, on met des éoliennes partout, parce qu'on a des éoliennes qui ont un rendement qui est relativement... Enfin, qui est encore, qui est pas totalement satisfaisant, mais qui est meilleur. Les moulins à vent en bois, ça a un rendement pas très élevé, donc ça marche que dans des régions où il y a beaucoup de vent, et ça a comme inconvénient du point de vue de l'efficacité économique, que comme il faut aider dans des régions où il y a beaucoup de vent, il y a aussi parfois des tempêtes qui cassent les moulins. C'est très difficile de régler un moulin, parce que aujourd'hui l'astuce de l'éolienne, c'est que le pas de la pale est variable, d'accord. Donc en gros, selon la force du vent, on ajuste la position de la pale. Les ailes de moulin en bois avec de la toile derrière, vous n'ajustez rien du tout, d'accord. C'est-à-dire que soit ça ne tourne pas, soit ça se casse. Bon. Donc la principale source d'énergie, là où il y a de l'eau, c'est les moulins à eau. Et en fait, puisque la machine de Watt, elle produit un mouvement régulier, ben, elle permet de faire comme le moulin à eau, mais avec plus de puissance, et même là où il n'y a pas d'eau, figurez-vous. Alors question, qu'est-ce qu'on faisait avec les moulins à eau? Qu'est-ce qu'on a fait pendant longtemps avec les moulins à eau? Ben, on a fait essentiellement qu'on a transformé la production textile. Et en particulier, l'objet, enfin vraiment ce qui est le cœur du début de la révolution industrielle, c'est la production de coton. D'accord. Coton, donc vous savez que c'est le textile principal qui pousse en Europe, d'accord, puisque c'est très facile de faire pousser des champs de coton en Ardèche, et surtout dans le nord de l'Angleterre. Bien sûr que non, le coton, c'est pas du tout c'est pas du tout une fibre autochtone en Europe. On l'a fait venir d'Inde, d'Égypte, d'Amérique, mais il n'y a pas de coton en Europe. C'est pourquoi, le développement des méthodes d'industrialisation de la production de tissus de coton, il va s'accompagner d'un développement des méthodes de transport de cette même fibre de coton. Alors en fait, pour fabriquer un tissu de coton, il y a deux étapes principales. D'abord, il faut faire le fil de coton, c'est ce qu'on va appeler le filage, parce que vous avez tous vu du coton. Le coton, c'est un arbuste, enfin, c'est soit une plante. Enfin, de fait, il y a plusieurs variétés de coton, mais en gros, on va dire que c'est un arbuste dont les fruits sont des espèces de petites boules de coton avec les graines dedans. D'accord. Parce que les fruits, concrètement, ça ressemble à des amandes, et puis les amandes éclatent, et dedans, il y a de la fibre de coton, et il y a des graines. Alors, évidemment, le premier boulot, c'est de peigner ces boules, ces balles de coton, pour séparer les graines de la fibre, pour mettre les fibres dans le bon ordre. Ça, on en parlera plus tard, parce qu'on verra que c'est une question très importante aux États-Unis. Mais les deux grandes étapes qui sont développées en Angleterre, l'Angleterre reçoit la fibre de coton brute, sans les graines, c'est d'abord de transformer cette fibre, qui est une fibre, les Égyptiens vous diront c'est une fibre longue, mais même la fibre longue du coton, elle ne fait pas 10 cm. D'accord. Alors pour en faire des fils, pour faire du tissu, il faut en faire des fils de plusieurs dizaines de mètres. Donc il faut filer ce coton. Comment est-ce qu'on file ce coton? Au début, on le file avec un rouet, comme vous avez tous vu dans Walt Disney, d'accord, la Belle au bois dormant, elle file, alors non pas du coton, parce que la Belle au bois dormant, le coton, elle ne sait pas ce que c'était, mais elle file de la laine. Ça veut dire qu'elle a une pelote de laine, et puis avec son rouet, elle enroule autour du fuseau un fil de laine, d'accord. Ben, en fait, la première technique pour fabriquer du fil de coton, elle est dérivée de la technique pour filer de la laine, c'est on a une pelote de coton, et cette pelote de coton, grâce à un rouet qui est donc une espèce de roue qui tourne, on va en faire un fil, qu'on file entre ses doigts, la personne qui file transforme la fibre brute en un fil, et tout est dans le travail des doigts. Donc évidemment, ça a un double inconvénient. Le premier, c'est que ça ne va pas vite, parce que si ça allait vite, ça se saurait. Le deuxième, c'est qu'il faut quelqu'un qui a des doigts qui sait faire.
Il y a un apprentissage. Et donc, il faut une main-d'œuvre qualifiée, et ça va pas très vite, parce que la personne qui file, elle ne peut pas filer à une vitesse très grande, et elle ne peut filer qu'un seul fil à la fois, parce qu'elle file fondamentalement entre trois doigts de la main droite. D'accord. Bon, et donc, la première caractérisation de la révolution industrielle, ça va être de révolutionner les techniques de filage. Et puis après, la deuxième étape, c'est une fois que vous avez les fils de coton, vous allez faire un tissu, d'accord, et c'est l'objet du tissage. Bon, alors, en quoi est-ce que le filage progresse? Ben, le filage progresse parce que d'abord, on invente des machines à filer qui vont filer plusieurs fils à la fois. Et donc, alors, filer en anglais, ça se dit to spin. Enfin, en fait, to spin, ça veut dire tourner. Mais justement, filer, c'est to spin parce que c'est tourner la roue. Et donc, la première machine à filer, on va l'appeler la spinning jenny. Donc, jenny qui tourne. Pourquoi? Ben, parce qu'elle tourne. De fait, elle a un rouet comme une fileuse. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs bobines et plusieurs fils qui s'enroulent. Et donc, en fait, pourquoi elle va vite? Non pas parce qu'elle file chacun des fils plus vite, mais parce qu'elle file plusieurs fils à la fois. Et donc, la spinning jenny, c'est parce qu'elle file plusieurs fils à la fois qu'elle va plus vite. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, la qualité mécanique du filage n'est pas bonne. Donc, en gros, les fils sont grossiers. Ensuite, on est en 1764, et... Le mouvement du moulin, ce n'est pas un mouvement parfaitement régularisé. Donc comme ce n'est pas un mouvement régulier, et comme, évidemment, la machine n'a pas bien le geste de la fileuse, on arrive à un fil qui est de très mauvaise qualité. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, c'est un fil qui est gros. Donc ce n'est pas avec ça qu'on fait des chemises de popeline, naturellement. C'est avec ça qu'on fait du tissu grossier. Donc, ce n'est pas intéressant pour faire de la qualité. Mais, évidemment, tout le monde va s'employer à perfectionner cette méthode pour avoir, si vous voulez, à la fois pour augmenter le nombre de fils et pour augmenter la qualité du fil. Donc du côté de l'augmentation de la qualité du fil, c'est un type qui s'appelle Richard Arkwright qui va mettre au point ce qu'on appelle le water frame. Et alors, le water frame, vous voyez, c'est une machine qui est petite, mais sur laquelle il y a des petites bobines. Mais là, en fait, le travail d'Arkwright, c'est de perfectionner la technique du filage pour que les fils soient fins, de bonne qualité parce qu'ils sont fins et solides. Donc c'est en gros c'est le moment critique où on reçoit le fil du rouet pour l'enrouler sur la bobine qui est traité correctement. Alors pourquoi c'est traité correctement? Parce qu'en fait Richard Arkwright, il est lui-même horloger. Alors l'horlogerie, c'est quand même une mécanique extrêmement précise, et c'est parce que il a une mécanique extrêmement précise que il va pouvoir filer bien. De plus, ce qu'il va faire, c'est que en utilisant le moulin à eau dont il régularise le mouvement, il va effectivement pouvoir trouver un mouvement constant qui va permettre de faire un fil à la fois fin et solide. D'accord. Le problème principal du water frame, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a que quelques bobines. Donc ça fait un fil de bonne qualité. Donc on a la qualité de la fileuse. On va un peu plus vite que la fileuse parce qu'on en fait plusieurs, mais on n'en fait pas encore beaucoup. Mais en fait, à partir du moment où on a réussi à faire le water frame, donc utiliser l'énergie hydraulique, pour faire un fil de bonne qualité, le tout, c'est de multiplier la taille du métier et donc le nombre de bobines qu'on va avoir en parallèle, et la productivité augmentera d'autant. Donc les machines suivantes, on va les appeler des mules. Pourquoi on les appelle des mules? Parce que vous le savez, la mule, c'est le croisement d'un âne et d'une jument. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque nouvelle génération de machines va en fait amalgamer les innovations des machines précédentes. D'accord. Donc c'est une manière agricole, une métaphore agricole, pour indiquer qu'on copie joyeusement la concurrence, à une époque où les brevets et le droit de propriété intellectuelle, c'est pas vraiment le fort, d'accord, de la fin du XVIIIe siècle. Bon, on arrive assez rapidement à des trucs compliqués. La mule jenny, comme vous le voyez, c'est en fait un croisement entre la spinning jenny et le water frame. C'est déjà un truc dont l'explication ne va pas de soi. Et en fait, la self-acting mule, qui est donc en gros le métier de... Enfin, la machine à filer du début des années 1800, c'est déjà un truc très compliqué. Alors, c'est déjà un truc très compliqué. Quel est le résultat, en fait, de mettre en œuvre ces machines? Il faut rappeler donc que le coton, c'est un textile méditerranéen ou de l'océan Indien, d'accord? Vous voyez tous les Égyptiens en pagne, sur les temples ou dans les manuscrits, les pagnes sont en coton. Et donc, ok, il y a du coton en Égypte, d'ailleurs, dans le delta du Nil, il y a du coton en Inde. D'ailleurs, les produits de coton
quand ils commencent à arriver en Europe, on les appelle des indiennes, parce que justement, ils viennent d'Inde. D'accord ? C'est évidemment toujours compliqué, parce que les Indiens, on ne sait jamais d'où ils viennent. Dans la mesure où Christophe Colomb, croyant qu'il était arrivé aux Indes, il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'appeler Indiens les Américains. Donc du coup, il y a des Indiens des deux côtés de l'Atlantique, et du Pacifique, si vous voulez. Mais concrètement, les Indiennes viennent d'abord des Indes orientales, d'accord, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui. Bon, et d'ailleurs, à tel point que en 1750, le Bengale, donc l'actuel Bangladesh, produit 40 millions de tonnes de fil de coton. Vous avez bien entendu, 40 millions de tonnes. À la même époque, l'Angleterre produit 1,5 million de tonnes. Donc le Bengale produit 25 fois plus que l'Angleterre. C'est quand même bon à savoir. Il suffira de pas longtemps pour que, vous allez voir, les proportions soient inversées. Entre-temps, la France a interdit l'importation des cotonnades. Pourquoi ? Parce que, naturellement, les marchands de laine... qui sont... Alors, en fait, nous, on a trois étoffes autochtones, d'accord ? On a la laine pour le vêtement. Rappel, en France, en 1650, 95% de la population a un vêtement. D'accord ? Un vêtement pour la vie. C'est-à-dire que quand vous atteignez votre taille adulte, vos parents vous achètent un vêtement, ou bien vous achetez un vêtement, et ce vêtement, vous le gardez la vie. Donc de fait, ce qui repose la question de l'hygiène, on l'avait déjà posée. D'accord ? Donc de fait, ce vêtement, il vaut mieux qu'il soit résistant. Alors, vous pouvez l'acheter chez H&M, mais je ne pense pas que ça fera la vie. D'accord ? Donc il n'y a pas de fast fashion hein, au 17e. La fast fashion, c'est le coton. Mais donc, ce vêtement qui va durer la vie, il vaut mieux qu'il soit dans une étoffe résistante. Donc, en général, il est en laine. Et en laine épaisse. Voilà. Donc après, il y a deux autres tissus qui sont utilisés pour l'habillement. Le lin, qui est le tissu d'été, donc pour les riches, en fait. Et le jute, ou le chanvre, si vous voulez, qui est utilisé par les très pauvres, en particulier par les franciscains ou par les capucins, qui sont donc des moines mendiants, et qui, pour montrer qu'ils sont pauvres, ont des vêtements marrons, parce que c'est des vêtements de chanvre. Enfin, le chanvre, on en fait principalement des sacs et des cordes de marine, d'accord ? Donc c'est un tissu qui est extrêmement riche et désagréable à porter. Et si les franciscains et les capucins, qui sont une variante des franciscains, portent des robes de chanvre, c'est pas parce que c'est chic, d'accord ? C'est pas parce qu'ils aiment le cannabis, puisque c'est le nom savant du chanvre, c'est pas non plus parce qu'ils ont envie de se défoncer, c'est juste parce que c'est une manière de dire qu'ils sont très pauvres. Voilà. Et le cappuccino italien vient du fait que quand vous mettez dans le café de la crème, ça donne la couleur de la robe des capucins, lesquels moines sont visibles partout puisqu'ils sont mendiants, ils ont rien du tout, ils ont fait vœu de pauvreté. Donc, ils vont dans les villes dire qu'il faut croire en Dieu et en échange, ils demandent t'as pas 100 balles. D'accord ? Donc c'est les hippies de l'époque. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils se promènent avec du chanvre sur eux qu'ils le fument. Bon, bref, donc toujours est-il que les producteurs de tissus, d'étoffes autochtones, ou rénicoles, si vous voulez, comme on dit, vont se plaindre au roi et à Colbert en disant vraiment, Colbert, il est mort en 1685. Mais Louvois, du fait qu'il a remplacé Colbert, du fait que c'est pas possible, ces étrangers nous font une concurrence déloyale avec leur coton qui coûte rien, donc on interdit les cotonnades. Rassurez-vous, on les interdit pour le petit peuple, parce que l'aristocratie va tout de suite trouver son intérêt à ces tissus de coton qui sont très beaux. Il est vrai que les cotons imprimés de la fin du XVIIe sont absolument remarquables. Je vous invite à aller voir au Musée des Arts Décoratifs ou au Musée Galliera quand il rouvrira. Les robes en cotonnade ou les redingotes en coton brodé, c'est super. Vous en avez aussi au Victorian Albert Museum à Londres. Bon bref, je vais arrêter de parler chiffon, parce que ça fait partir tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, l'utilisation de méthodes modernes, à la fois pour produire le fil, et puis ensuite pour tisser. Parce que pour tisser, j'ai oublié d'en parler, mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, le tissage, vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez un métier qui tient les fils de trame, hein, et en fait, ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, on a des métiers à bras, et on fait passer le fil de trame, et puis ensuite, on fait passer le fil entre les fils de trame, on inverse les fils de trame, c'est à ça que sert le métier, puis on refait passer le fil en sens inverse, entre les fils de trame qui ont été inversés, on réinverse les fils de trame, et on refait passer le fil, ainsi de suite. Si vous le faites à la main, c'est très lent, d'accord ? Parce qu'il faut faire passer le fil à la main entre les fils de trame. En général, c'est les enfants qui font ça, parce qu'il faut être petit et agile. Bon. La première invention, c'est ce qu'on appelle la navette volante, c'est-à-dire que la navette dans laquelle vous allez avoir le fil que vous faites passer entre les trames, au lieu de la faire passer à la main, vous la jetez. C'est pour ça qu'elle est volante. Donc ça, c'est inventé en 1740, parce qu'au lieu de faire passer à la main, vous jetez le truc, ça va plus vite. Bon, et puis en fait, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer des métiers mécaniques qui basculent automatiquement les fils de trame, et donc il suffira ensuite de jeter la navette volante en rythme. Et donc là, on tisse beaucoup plus vite. Et puis après, on invente des métiers qui sont non seulement mécaniques, mais qui sont programmables. Là encore, il faut aller au CNAM pour voir le métier de jacquard.
Parce que je vous rappelle que la première machine programmable, ce n'est pas un ordinateur, c'est un métier à tisser. Vous rentrez une carte perforée dans un métier jacquard, la carte perforée, elle indique comment vont se répartir les couleurs et les couleurs des différents fils dans ce que vous allez faire. Donc dès 1804, on a des métiers dont l'alternance des fils de trame est mécanique et qui savent gérer plusieurs fils de plusieurs couleurs. Bon, alors ça fait pas les tapisseries des gobelins, mais ça fait quand même des tissus intéressants. Bon, donc de fait, l'amélioration des techniques de fabrication du fil, le filage, et de fabrication du tissu, le tissage d'autre part, ça fait quoi? Ben, ça fait tout simplement que ceux qui les utilisent vont faire des profits beaucoup plus importants que ceux qui ne les utilisent pas. En 1785, le taux de profit annuel d'une usine de filage qui utilise des machines Cartwright, donc des water frames améliorés, ou même d'ailleurs des mules, c'est quoi? Ce qu'on appelle des machines Cartwright, c'est celle dont le procédé de fabrication du fil, c'est celui du water frame, mais qui est adapté sur une machine génie avec beaucoup de fils en parallèle, donc du coup c'est une mule. D'accord? Donc le taux de profit d'une usine qui utilise des mules type Cartwright en Angleterre en 1780, c'est 40%. 40% par an. D'accord? En France, c'est 9%. En Inde, c'est 1%. Pourquoi? Parce qu'en Inde, les salaires sont misérables, donc ça ne vaut pas le coup d'installer des machines. En France, les salaires ne sont pas tellement plus élevés qu'en Inde, donc ça ne vaut toujours pas le coup d'installer des machines. En Angleterre, les salaires sont très élevés, et donc quand vous installez des machines, les salaires sont très élevés, mais les ouvriers et les ingénieurs sont très productifs, et donc quand vous installez des machines, c'est banco. D'accord? Et d'ailleurs, de fait, c'est le taux de profit, excusez-moi, d'une usine de filage en général. Donc en Inde ou en France, vous faites un profit très faible, parce que c'est une industrie de main-d'œuvre, et donc il y a une très faible marge. En Angleterre, en installant les machines, vous êtes beaucoup plus productif. Et donc, c'est vous qui fixez le prix du marché et c'est vous qui faites la marge. Voilà, j'y arrive. Pardon. D'ailleurs, quand on voit ce qu'il en est, on a en gros 150 machines Cartwright installées en Angleterre en 1780, 4 en France, 0 en Inde. Et en 1790, quand c'est les Jennies qui sont en train de remplacer les machines, les waterframes originaux, ben on voit là encore qu'en Inde, en Angleterre, la capacité de production installée, c'est plus de 20 fois ce que c'est en France. Bon, à partir de 1820, les métiers à tisser, cette fois-ci c'est le tissage, les métiers à tisser mécaniques qui ont été développés dans les années 1800 se généralisent, et ils vont se généraliser jusqu'aux années 1850, et donc ils vont ruiner les gens qui utilisent des métiers à bras, donc des métiers pas mécaniques. Donc vous connaissez, il y a évidemment un épisode de l'histoire de France célèbre qui est lié à l'extinction, enfin à la perte de compétitivité des métiers à bras, c'est... Ça vous avez jamais entendu pour chanter Veni Creator, il faut porter Jésus-Bleu d'or? Non, ça vous dit rien? Bon. L'histoire ouvrière se perd dans ce pays. La mémoire de l'histoire ouvrière, c'est la chanson des Canuts Lyonnais. Les Canuts Lyonnais, c'est les ouvriers du textile à Lyon. Et les ouvriers du textile à Lyon, ils travaillent chez eux, sur des métiers à bras, et ils sont ruinés par l'arrivée des métiers mécaniques, qui, parce qu'ils vont plus vite, évidemment, vont faire baisser les prix, de telle sorte que les ouvriers qui exploitent des métiers à bras ne peuvent plus être compétitifs et sont chassés en dehors du marché. Donc les Canuts Lyonnais vont se révolter en 1831. Comme de toute façon, soit la révolte réussit, soit ils crèvent de faim, ça va être une révolte désespérée dans laquelle l'armée va tirer sur les Canuts, il va y avoir des dizaines de morts. Enfin, bref. Bon, donc de fait, en 1850, il n'y a plus de métiers à bras, enfin, j'entends, en Europe. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, ces métiers mécaniques qui étaient entraînés par l'énergie de l'eau, donc qui au début ne peuvent se développer que là où il y a des rivières, et des rivières canalisables, en fait à partir de 1840, on se met à utiliser la machine à vapeur, et donc à partir de 1840, on se met à pouvoir développer des usines textiles partout. Voilà. Et en 1850, par une espèce de retour de l'histoire, en fait, comme le fil, si vous voulez, comme les machines à filer sont déployées partout, et comme les salaires européens sont quand même supérieurs aux salaires qu'on peut trouver dans les pays du tiers-monde, on a une première délocalisation. C'est qu'à partir de 1850, on se met à délocaliser la production de fil dans les pays qui étaient les anciens pays de production de cotonnière, en particulier en Inde. Donc on se met à implanter en Inde les machines qu'on avait développées en Europe, simplement pour pouvoir bénéficier des bas salaires indiens. Donc, évidemment, la délocalisation, ce n'est pas une invention du XXIe siècle, du XXe, ça a commencé pratiquement à l'aube de la révolution industrielle. Bon, alors donc, on utilise des machines à vapeur pour faire fonctionner les machines qu'on a développées pour développer la production textile. Donc de fait, le couple machine à vapeur, amélioration technique dans le textile, c'est ça qui est le symbole de la révolution et le démarrage de la révolution industrielle. Mais on n'utilise pas la révolution industrielle, la machine à vapeur que pour ça. On utilise aussi la machine à vapeur pour la production en fait de produits d'acier raffinés. Naturellement, quand c'est pour faire fondre de la ferraille, vous mettez du charbon
et les bouts de ferraille dans un four, vous le faites fondre, il vous sort du fer fondu, là, il n'y a pas besoin de machine à vapeur. En revanche, vous allez avoir besoin de machine à vapeur dès que vous allez vouloir produire autre chose que du fer fondu. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on produit d'autre que du fer fondu ? On produit des tôles. Bon, les tôles, je vous rappelle que c'est des plaques de métal qui sont soit plates, soit ondulées, d'accord ? Ou bien des profilés. Les profilés, c'est par exemple les rails. Ou bien ce que vous mettez là-dedans, qui est vraisemblablement des poutrelles, d'accord ? Ou, soit des barres pour faire du béton armé, soit des poutrelles qui sont en fait des rails un peu plus fins et souvent un peu plus longs, qui servent par exemple à pratiquer des ouvertures dans les murs en béton. Bon, ben ça c'est des profilés. Et donc, aussi bien pour faire de la tôle que pour faire des rails ou des barres, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut prendre votre fer fondu et puis il faut l'écrabouiller. Et ça, vous le faites quoi ? Comment est-ce que vous écrabouillez ? Qu'est-ce que c'est la machine qui permet d'écrabouiller ? La machine à écrabouiller en long. Ça s'appelle la laminoire. D'accord ? Bon, si vous voulez maintenant faire des pièces forgées, comment est-ce que vous forgez les pièces ? La mémoire d'Astérix se perd également, oui. Ah non, parce que ça, si c'est moulé, c'est moulé. C'est coulé. Justement, l'intérêt du forgeage, c'est que vous allez avoir plus de résistance que dans la fonte, oui. Voilà. Ben, en fait, quand on met les deux ensemble et qu'on met de la vapeur, ça s'appelle exactement un marteau pilon. Bon, on va voir une photo. Hein. Mais vous savez, l'essence de la pédagogie, c'est la répétition. Donc, il faut dire les choses deux fois au moins. Et ensuite, si vous ne voulez pas vous contenter de taper dessus, mais que vous voulez, par exemple, ébarber les côtés ou faire des trous dedans, qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Il va vous falloir un tour ou bien une fraiseuse, d'accord ? Le tour, c'est quand vous voulez usiner, c'est-à-dire c'est enlever de la matière, et la fraise, c'est quand vous voulez percer. Donc, on résume, un laminoir, ça fait des pièces plates, d'accord ? Donc ça, c'est un magnifique laminoir à lasagne, en français, une machine à pâte, d'accord ? En revanche, ça ne marche pas très bien pour l'acier. Enfin, je vous déconseille d'essayer le fer fondu à la sortie du haut fourneau avec ce truc-là, vous allez vous brûler les mains. Et en plus, vous ne ferez rien d'intéressant. Un laminoir sidérurgique, c'est évidemment une autre machine, un peu plus grosse, et qui, en revanche, ne marche pas pour les lasagnes. D'ailleurs, je pense que si vous faites passer des lasagnes dans un laminoir sidérurgique, vous allez un peu vous faire engueuler par le contremaître. Non, mais concrètement, c'est quoi ? Concrètement, vous faites arriver les pièces du haut, qui sont des lingots. Enfin, il y a plusieurs formes de lingots, d'accord, mais les lingots relativement plats, ça va s'appeler des brames, les grandes barres, c'est des billettes, enfin, peu importe. Vous avez un four de réchauffage, d'accord, qui va vous chauffer votre lingot de telle sorte qu'il va être malléable. Ensuite, vous le faites passer par une série de laminoirs, d'accord. Cette série de laminoirs, c'est des rouleaux de plus en plus fins qui vont, bah parce qu'évidemment, votre lingot, vous ne l'emmenez pas directement pour en faire du papier d'aluminium. Mais donc, vous allez avoir plusieurs séries de rouleaux qui vont finir par donner l'épaisseur et la forme souhaitée. D'accord. Donc le laminoir, fondamentalement, c'est des rouleaux. Et donc, quand vous dites que vous passez quelqu'un au laminoir, d'accord ? Vous voyez la métaphore. Vous commencez par le four de réchauffe, et puis après, plusieurs rouleaux. Donc normalement, à la fin, le gars, il est rincé ou essoré. Ou laminé, d'ailleurs. Enfin, en général. Disons qu'il vaut mieux éviter avec les gens. En plus, je pense que c'est interdit et ça vous ferait des problèmes. Non seulement avec la marée chaussée, mais encore, vous risqueriez d'aller en enfer. Et donc, je ne voudrais pas que vous vous prévaliez de mes conseils quand vous arrivez devant le portier du paradis ou de l'enfer en disant que c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Je décline toute responsabilité. Voilà. Alors, deuxième jouet, maintenant, puisque madame l'a évoqué, le marteau-pilon à vapeur. Le marteau-pilon à vapeur, c'était le clou de l'exposition universelle de 1878. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu l'exposition universelle de 1889 que tout le monde connaît, puisque c'est celle où on a construit la tour Eiffel. Mais avant, il y a eu 67 et 78 sur le même champ de Mars. Et on n'avait pas encore eu l'idée de la tour Eiffel, parce que ce n'était pas le centenaire de la Révolution française. Mais pour en foutre plein la vue, Schneider avait installé son marteau-pilon à vapeur. Comment ça marche le marteau-pilon à vapeur ? Bah, vous voyez de manière évidente qu'il y a une espèce de tube là-haut qui est un cylindre. Qui dit cylindre dit on fait passer de la vapeur pour faire monter le marteau qui est au bout de la tige. D'accord ? Vous faites monter le marteau d'une quantité suffisante pour lui donner de l'élan pour qu'il puisse taper ensuite. Et puis vous le faites redescendre à la fois sous la force de la gravité et puis vous faites passer de la vapeur par en haut également. Et donc concrètement, votre marteau à vapeur, c'est un truc qui fait 20 tonnes, je ne sais plus combien. C'est écrit dessus, la force de ce machin-là, c'est entre 20 et 40 tonnes. Mais en gros, c'est un marteau qui va pouvoir produire un choc de 20 à 40 tonnes sur la pièce de métal que vous voulez forger. Donc évidemment, ce n'est pas pour faire des tours Eiffel miniatures. D'accord, c'est quand même plutôt pour forger des pièces importantes. Et l'intérêt de forger par rapport à couler, c'est que en fait, le métal coulé, il a un double inconvénient. D'abord, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas des bulles dans le métal quand vous le coulez. Il faut avoir des techniques de radiographie du métal, on ne les a pas à l'époque. N'est pas capable de repérer
les faiblesses d'un métal coulé. Et le deuxième problème du métal coulé, c'est qu'en fait, il va refroidir de manière pas uniforme, et donc il a toujours des faiblesses. Vous ne savez pas comment il cristallise, enfin bon, c'est quand même... Le coulage, c'est assez compliqué à maîtriser comme technique. Alors que la forge, l'intérêt, c'est que vous portez à chaud et vous tapez dessus. Et en fait, quand vous battez un métal à chaud, bah, vous relâchez toutes les tensions qu'il peut y avoir dedans. Or, ce qui fatigue un métal, bah, c'est justement le fait qu'il subit des déformations à froid. Quand vous chauffez et que vous déformez à chaud, vous relâchez les tensions et vous rendez le métal solide. D'accord ? Surtout si, comme vous le savez, vous le trempez, c'est-à-dire vous le chauffez, vous le forgez, vous le trempez dans l'eau froide, vous le réchauffez, vous le retrempez, vous le reforgez, vous le remettez dans l'eau froide. À chaque opération de réchauffe et de retrempe, bah, vous obtenez une surface qui est plus dure, d'accord ? D'où l'acier trempé. Bon, et donc typiquement, ça sert à faire des pièces qui vont ensuite être soumises à des contraintes mécaniques importantes, donc des lames, des blindages, enfin des trucs vachement utiles pour faire la guerre. Bon, alors ça, c'est deux usages possibles de la vapeur. Là, maintenant, le tour à pédale, c'est pas dû à la nature de l'opérateur, mais en fait à la force d'entraînement de ce tour, d'accord ? C'est pour vous montrer ce qu'est un tour, mais aussi pour vous faire comprendre comment la machine à vapeur va fonctionner. Donc un tour, comme vous le voyez, ça ressemble à une perceuse, sauf qu'au lieu qu'il y ait un moteur électrique, ben, vous actionnez une pédale. En actionnant la pédale, vous voyez, vous avez un magnifique arbre à cames qui est entraîné par la pédale. Cet arbre à cames, il fait tourner un volant d'inertie, parce que là encore, le mouvement de votre pédale, c'est un mouvement de va-et-vient. Donc si on veut que votre axe tourne de manière régulière, il faut un mouvement d'inertie suffisamment lourd pour régulariser le mouvement. Et ensuite, ce volant d'inertie, il entraîne une courroie qui va entraîner le tour lui-même, qui est un peu comme une perceuse horizontale. Sauf que quand on parle de tour, c'est pas pour faire des trous. Pour faire des trous, c'est des fraiseuses. Donc vous pouvez faire de la même manière une fraiseuse comme ça. Bien qu'en général, les fraiseuses soient plutôt verticales, mais on s'en fout. Quand on fait un tour, c'est plutôt un machin qui va en fait permettre l'usinage, donc permettre d'enlever des trucs en tournant. Donc typiquement, le bois tourné, c'est quoi ? Ben, les pieds de chaise. Vous voyez, les pièces du jeu d'échecs, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, vous mettez un cylindre que vous coincez. C'est pour ça que vous avez une manivelle à gauche. La manivelle, elle sert à arrêter votre pièce de bois. En fait, ce qui va tourner, c'est pas la lame, c'est la pièce de bois qui va tourner. Et ensuite, avec une lame, vous dessinez le profil de la pièce de bois. C'est ça un tour, d'accord ? Donc vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez tourner des bols, si vous voulez. Vous prenez une bille de bois, vous la tournez et vous la mettez en forme pour faire un bol. Bon. Alors en fait, donc, et en général, la fraiseuse, alors là c'est pour faire les trous, et en général la fraiseuse elle est verticale. Donc concrètement, si vous voulez avoir une fraiseuse à pédale, il faut un mécanisme qui va transformer votre mouvement de rotation comme ça en mouvement de rotation comme ça. Donc il va falloir un engrenage. Donc vous allez perdre de la puissance. Donc c'est mieux d'avoir un truc plus puissant qu'une pédale, donc c'est mieux d'avoir une machine à vapeur. Et alors, du coup, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la machine à vapeur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va remplacer la pédale. Et c'est important de se figurer ça, parce que, si vous voulez, un atelier de production mécanique moderne, c'est un atelier où, à chaque poste de travail, il y a un moteur électrique. Et donc, c'est un atelier où chaque poste de travail est autonome. Un atelier de production mécanique, mais ou textile d'ailleurs, à vapeur, il y a une machine à vapeur qui produit de l'énergie, en fait, fondamentalement, qui fait tourner un axe. L'axe va, en général, passer au plafond de l'atelier. Et sur cet axe qui passe au plafond, il va y avoir des courroies qui vont venir en fait, apporter de l'énergie à toute une série de postes de travail qui sont entraînés par les courroies. Alors, ça impose deux contraintes. La première contrainte, c'est que toutes les machines marchent ensemble. Bon, ok, elles sont débrayables. Alors, vous pouvez débrayer une machine, il y a une position de débrayage pour pas que vous consommiez l'énergie de toutes les machines et pas que vous usiez les machines, parce qu'évidemment, les machines, il faut les graisser. Donc s'il n'y a personne au poste de travail, il faut pouvoir débrayer la machine. Mais oui, bon, c'est une première contrainte, c'est que tout tourne en même temps ou rien ne tourne. Et si vous voulez faire tourner un seul poste de travail, il faut démarrer la machine à vapeur pour un seul poste de travail. Donc de fait, l'usine, concrètement, ça va être tout le monde bosse en même temps, et si possible 24h sur 24. Ou le plus près possible de 24h sur 24, parce que arrêter la machine à vapeur et arrêter toutes les machines, c'est vraiment galère. D'accord ? Bon, article 2, des courroies partout, bonjour les accidents du travail. Parce que vous imaginez un atelier où il y a un axe qui passe au plafond et toutes les machines sont reliées à l'axe par des courroies. Vous vous promenez dans l'atelier, vous regardez ailleurs, vous mettez votre main dans la courroie, la main elle est partie au plafond. Elle redescend dans la machine, vous passez dans le marteau au pilon, au revoir. D'accord ? Donc de fait, c'est un atelier qui n'est pas du tout sécure. Bon, après, vous avez l'impression que je vous raconte des histoires du 19e siècle. Il y a eu des machines à vapeur qui fonctionnaient en France dans des ateliers mécaniques jusqu'aux années 70. D'accord ? Et que concrètement,
La transformation de ces machines-là en machines électriques, ça commence à se faire dans les années 40-50, mais il y a encore des ateliers à l'ancienne dans les années 70 en France. Voilà. Bon, alors, donc en fait, concrètement, c'est la machine à vapeur qui va permettre d'utiliser des outils modernes dans la production industrielle et dans la production mécanique, et qui va faire évidemment qu'on est beaucoup plus productif quand on peut avoir 500 personnes qui utilisent un tour à vapeur que quand il y a 500 mecs qui sont en train de faire coin, 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 coin avec leurs pédales, d'accord ? Bon, l'usage de la machine à vapeur ne se limite pas à l'industrie, on va avoir aussi un usage de la production agricole, d'accord ? D'abord pour le battage, et puis ensuite marginalement pour le labourage. Le battage, vous le savez, comme dans une moissonneuse batteuse, c'est en fait la séparation des différentes composantes de la céréale, puisque concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans du blé ? Ben, il y a la tige qui va servir à faire de la paille. Il y a ensuite, en fait, le grain, il comporte deux choses. Autour du grain, il y a une balle, ce qu'on appelle le son, d'accord ? Et le son, c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas apprécié de tout le monde. Vous pouvez, vous pouvez demander du pain de son, du pain complet, d'accord ? C'est le pain qui est fait avec la graine qui a gardé sa balle. Ça a l'avantage que c'est plus riche en fibres, donc c'est meilleur pour le transit, mais c'est moins bon en goût. Enfin, il y a des gens qui trouvent que c'est moins bon en goût. Et d'ailleurs, alors maintenant, c'est pas forcément la mode, mais jusqu'à avant-hier, d'accord, c'est-à-dire jusqu'à ce que les gens de la ville aient envie de jouer aux gens de la campagne, le bon pain, c'était le pain blanc. Et le pain blanc, c'est le pain qui est fait, c'est le pain où il n'y a pas de son. Le pain de son, c'est du pain gris ou noir ou brun, quoi, d'accord ? Bon, et donc, de fait, le rôle de la batteuse, c'est de séparer la tige de la graine et dans la graine, de séparer le gras, pour en parler, de la balle. Et donc, comment ça marche ? Ben, alors, pourquoi ça s'appelle une batteuse ? Parce qu'autrefois, on battait, donc on utilisait un fléau, qui était donc un peu comme un nunchaku, enfin, c'est deux morceaux de bois avec une articulation. On mettait les épis, enfin ce qu'on avait moissonné sur une aire de battage, et puis on donnait des coups de fléau, et on tapait comme des brutes, et ça séparait les grains. Et puis ensuite, on balayait, et on triait avec un tamis, et le tamis, il séparait, en fait, la balle, le bon grain restait au-dessus, et puis les saletés tombaient en dessous. D'accord ? Bon, donc on faisait ça en deux opérations. Là, l'idée de la batteuse, c'est qu'au lieu de taper comme des sourds, ben, on va avoir, en fait, le mouvement de battage, ça va être un mouvement centrifuge, d'accord ? Et puis, il va y avoir plusieurs tamis qui vont séparer la paille qui va partir d'un côté. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'on fait des bottes de paille. En haut, on récupère la paille, donc on fait des grandes bottes qui ressemblent à des espèces de maisons, d'accord ? Et puis, on va séparer aussi le grain qu'on va mettre dans des sacs. D'ailleurs, vous voyez un sac à droite. La grande botte, c'est les épis qui ont été mis en tas, qu'on va récupérer avec la moissonneuse, pardon, avec la batteuse, on les met dans la batteuse et sortent de la batteuse à droite à la fois les chaumes, simplement les tiges, quoi, et le grain qui sort dans le sac. Et en plus, il y a toute la poussière de balle qu'on va rejeter directement dans l'air, puisque ça, on n'a rien à en faire. D'accord ? Donc ça, c'est la batteuse mécanique classique qui a remplacé le battage au fléau. D'accord ? Et vous voyez, là, c'est actionné par un manège de chevaux qui est exactement du même type que ce qu'on a dans les pompes de mine. D'accord ? Au passage, le manège, c'est-à-dire les chevaux qui tournent, bon, vous avez connu ça dans des circonstances enfantines, mais je n'avais pas le mot tout à l'heure. Mais le manège, donc, c'est en fait le moteur original des pompes de mine et du battage et de la plupart des applications industrielles, d'accord ? Des pompes à eau, vous en avez peut-être vu parce que dans La Folie des Grandeurs, par exemple, on voit effectivement une pompe de mine qui est actionnée par des forçats. Donc, une pompe qui est actionnée par des forçats, de fait, les pompes à eau étaient actionnées soit par des manèges, soit par des gens. Mais là où c'est important, c'est que ce mot « manège », vous ne voyez pas ce qu'il a donné en anglais ?« To manage », ça vient du « manège ». En fait, au début, c'est les chevaux qu'on manège. D'accord ? Manéger les chevaux, ça consiste à s'occuper des chevaux dans le manège. Mais dans le manège, pas le manège où on est sur les petits chevaux et on monte et on descend, d'accord ? Mais dans ce manège-là. C'est ça qui est du boulot, parce que comme on l'a dit, il faut beaucoup de chevaux pour faire tourner un manège 24 heures sur 24. Bon, ce qui n'est pas le cas du battage, mais ce qui est le cas des pompes. Donc, tout simplement, l'application de la machine à vapeur, bah, c'est vous remplacer les chevaux par la machine à vapeur. C'est d'autant plus facile qu'on voit là qu'il y a un grand volant. D'accord ? On voit là qu'il y a un grand volant. Il suffit de mettre une courroie entre ce grand volant et le volant d'inertie de la machine à vapeur, et on remplace les chevaux par la machine à vapeur, ce qui, en photo, donne ça. D'accord ? Et donc là, vous avez le gros tas de paille d'un côté, on met la paille dans la machine, et la machine vous pond le grain dans des sacs, et puis de la paille en bottes à côté.
D'accord. Ce que vous remarquez, c'est que la machine à vapeur, là, à côté, c'est en fait, le moteur est séparé de la batteuse. Donc, il y a une machine à vapeur qu'on amène pour entraîner la batteuse. Bon, et donc, de fait, alors, la machine à vapeur, c'est ce qu'on appelle à l'époque une locomotive routière. D'accord. Donc, c'est une locomotive qui est capable de rouler sur la route, avec un système de suspension qui est quand même minimal. D'accord. C'est-à-dire que c'est des roues en acier qui roulent directement sur la route, et il n'y a pas de suspension. D'accord. Les axes sont en direct. Je pense que, ah non, si on va voir quand même dans le suivant qu'il y a quand même une suspension à lame. Mais bon, c'est un système extrêmement rudimentaire. Vous voyez aussi au sommet de... Alors, vous voyez la cheminée d'un côté qui propulse cette machine à vapeur. Et à droite, vous voyez une espèce de truc bizarre, c'est le régulateur à boules. Bon, mais donc, c'est quand même pas très commode, parce que la locomotive routière, elle est en général capable de tirer la batteuse, mais enfin, c'est pas un attelage qui va très vite. Bon, les choses s'arrangent quand la locomotive devient aussi une locomotive tractrice, qu'on appelle un tracteur, et donc ça donne ça, d'accord ? Donc c'est quasi la forme actuelle du tracteur, sauf que vous remarquez qu'il y a deux signes qui trahissent la vapeur. D'abord la nature de la chaudière tubulaire, d'accord, ça c'est quand même typiquement machine à vapeur. Pourquoi chaudière tubulaire ? Mais parce que pour transmettre la chaleur du feu qui est fait en général près de la cabine dans l'eau, c'est mieux d'avoir des tubes qui plongent dans une chaudière tubulaire que d'avoir simplement un point de contact entre l'eau, comme il y a dans la machine de Newcomen, d'accord. La machine de Newcomen, elle n'est pas efficace parce que vous avez un feu et puis juste au-dessus, vous avez de la flotte. Il vaudrait mieux avoir des tubes qui amènent la chaleur jusqu'au cœur de l'eau, comme il y a d'ailleurs dans un échangeur de centrale nucléaire aujourd'hui. Bon, donc vous avez une chaudière tubulaire et puis vous voyez un énorme volant d'inertie qui est quand même typique de la vapeur et qui a l'avantage, justement, de pouvoir transmettre l'énergie de ce tracteur à des ustensiles agricoles comme une machine à battre, une batteuse. Question, est-ce qu'il y a aujourd'hui sur les tracteurs à essence, ou plutôt à gasoil, mais sur les tracteurs avec des moteurs à combustion interne, est-ce qu'il y a l'équivalent du volant d'inertie ? On va l'appeler les agriculteurs. Les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans un tracteur, à l'arrière, entre les roues arrière, il y a ce qu'on appelle une prise de force, qui est un truc qui tourne, et qui permet de fait de transmettre la puissance du moteur à l'ustensile que vous pendez derrière votre tracteur. Alors c'est pas souvent des machines à battre, puisque les batteuses sont en général séparées, mais ça peut être une machine à faire des bottes de foin, par exemple. Et ça peut aussi être un semoir, d'accord. Le semoir, il a besoin d'être entraîné, donc il a besoin d'énergie mécanique, donc on le branche sur la prise de force. Donc de fait, quand je vous disais que la machine à vapeur, c'est le précurseur des machines mécaniques modernes, c'est pas exagéré. Et de fait, alors, le tracteur, c'est un usage particulier pour une machine automobile, et on a des machines automobiles. Ça n'a pas commencé dans l'agriculture, ça a commencé par les usages militaires. Encore une machine qui est au CNAM, le Fardier de Cugnot, c'est donc la première automobile à vapeur de 1781. Et vous reconnaissez sur ce Fardier de Cugnot, vous voyez là bien un cylindre, mais il y en a un deuxième à côté, c'est une machine bicylindre. Pourquoi c'est une machine bicylindre ? Parce que les cylindres marchent en opposition. D'accord. Et donc les deux cylindres entraînent directement la roue avant, puisque c'est un tricycle. Et vous voyez une énorme marmite devant. C'est à la fois la marmite à eau, et puis dessous, il y a une espèce de panier dans lequel il y a le feu. Donc, fondamentalement, c'est le foyer d'une machine de Newcomen qui crache son venin dans deux cylindres à la watt. On fait l'économie du volant d'inertie, parce qu'un volant d'inertie sur une machine automobile, c'est pas terrible. Question, à quoi sert ce truc ? C'est pas à promener les filles dans la cour de la caserne en chantant « Baby, you can drive my... » Non, c'est pas ça. Alors, à votre avis, à quoi sert un truc comme ça ? À tirer les pièces d'artillerie, enfin les canons. Parce que les canons en bronze, ça pèse lourd. Ça pèse lourd et c'est compliqué parce qu'il faut des équipages de 4, 6 ou 8 chevaux pour les grosses pièces d'artillerie. Et 8 chevaux, ça veut dire beaucoup de... Enfin, c'est une logistique très compliquée d'entretien 8 chevaux. Et surtout, quand il y a un des 8 chevaux qui est malade ou qui est tué, l'attelage ne marche plus, enfin, c'est un vrai bins. Donc, Cugnot, qui était un officier d'artillerie, a eu l'idée d'utiliser la machine à vapeur. Évidemment, ça n'a pas marché. C'est pour ça que c'est obligé du CNAM. Mais c'est pour dire que nous, on a inventé l'automobile à vapeur. On a inventé l'automobile à vapeur qui ne marche pas. C'est quand même une grande invention française. Alors, en revanche, les automobiles qui marchent, vous les connaissez tous, c'est les locomotives. La première étant celle de Trevithick, qui était surtout une locomotive théorique. D'abord parce qu'elle marche sur des rails en bois, et ensuite parce que sa mécanique n'est pas bien au point. Mais ce que vous voyez sur la locomotive de Trevithick, c'est qu'il y a quoi ? C'est qu'il y a un énorme volant d'inertie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la position du piston n'est pas orthodoxe par rapport à une machine à vapeur. Et donc le mouvement est vraiment très saccadé. Et donc pour régulariser un mouvement saccadé, il faut un gros volant d'inertie.
Donc la locomotive de Trevithick, elle est développée pour les usages qu'on a à l'époque du chemin de fer, qui est, je vous le rappelle, en fait, dans les mines, de véhiculer les chariots de charbon qu'on sort de la mine, parce que les mines peuvent être très grandes. Mais, en fait, elle ne marche pas bien. D'ailleurs, elle ne marche pas du... Enfin, un peu comme la machine de Thomas Savery, elle a le privilège d'être la première, mais pas d'être techniquement rentable. En fait, ce qui va rendre les locomotives économiquement rentables, c'est le fait de transformer la roue, de transformer une des roues en volant d'inertie et d'en faire une roue motrice. D'accord ? Et donc, vous voyez dans la fusée de Stephenson, enfin, Rocket, que le piston qui est maintenant incliné, il actionne directement les roues avant, qui sont les roues motrices. D'accord ? Et vous voyez d'ailleurs que la Rocket de Stephenson, elle n'existe pas sans son tendeur. Le tendeur, c'est le wagon qui est derrière. Et qu'est-ce qui porte le wagon qui est derrière ? Mais pas seulement. De l'eau. Dans le tonneau, ce n'est pas de l'eau de vie pour le conducteur. Ça va réchauffer les hivers froids. Mais non, c'est qu'une machine à vapeur, ça consomme aussi de l'eau. C'est pour ça que vous voyez encore, le long des lignes de chemin de fer, des châteaux d'eau. Typiquement, quand vous prenez les boulevards extérieurs, vous allez voir, en arrivant à Bercy, alors quand vous partez d'ici, sur les extérieurs, vous allez voir, juste après le boulevard Poniatowski, qui passe le long de la Seine, donc sur la gauche, en partant d'ici, il y a des châteaux d'eau. Ces châteaux d'eau, ils servaient à ravitailler en eau les locomotives à vapeur. Parce que les locomotives à vapeur, elles ont besoin de flotte. D'accord ? Et donc ça, c'est la première locomotive relativement diffusée, qui sert aussi bien au transport de passagers qu'au transport de marchandises. En fait, la machine à vapeur va être considérablement perfectionnée quand on va inventer la machine dite compound. Et la machine dite compound, c'est... Alors, en français, on dit... Le cylindre à double expansion. Vous voyez qu'ici, en fait, on a l'impression qu'il y a deux cylindres qui sont juxtaposés. De fait, la vapeur arrive d'abord dans le petit cylindre qui est un cylindre haute pression, et elle va ensuite passer dans le gros cylindre qui est un cylindre basse pression. Il y a même des machines à triple, double compound, enfin à trois cylindres. Toute la difficulté, c'est évidemment d'articuler le mouvement des cylindres sur la même bielle, qui vont entraîner les mêmes roues motrices, d'accord ? Mais si un jour vous vous intéressez... Enfin, locomotive à vapeur, c'est une mécanique absolument fascinante. Je veux dire, le réglage des cylindres compound et des bielles motrices des roues de locomotive à vapeur, ça peut vous occuper un certain temps. Bon, et de fait, les locomotives des années 1880 commencent à être efficaces et elles sont toutes compound. On utilise aussi la vapeur pour faire fonctionner les bateaux, qui s'appellent au début des palmipèdes ou des pyroscaphes. Enfin, là encore, c'est une invention française qui sert à rien parce que c'est un pur démonstrateur technologique. Vous voyez une toute petite roue à aube, mais Jouffroy d'Abans, si vous ne saviez pas pourquoi il y a une rue Jouffroy d'Abans, parce que Jouffroy d'Abans a fait réaliser par son valet, enfin par des ingénieurs qui l'employaient, ce bateau à vapeur, qui est donc entraîné par deux petites roues à aube, mais qui est en fait une maquette. D'accord ? Le premier navire à vapeur qui est utilisé, il remonte le North River, et comme on voit, en fait, on utilise les roues à aube uniquement pour remonter la rivière. Alors c'est aux États-Unis, c'est facile à voir puisqu'il y a un drapeau américain. On utilise une voile pour la manœuvre et le courant pour la descente. La première traversée de l'Atlantique, c'est le Great Western d'Isambard Brunel, c'est 1834. Et vous voyez qu'on a encore une roue à aube et on a encore des voiles. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, on peut utiliser les voiles. Et donc de fait, là on voit le navire qui fait route uniquement à la vapeur. Enfin, dès qu'il y a du vent, on utilise les voiles. Question, quand est-ce que les bateaux à voile disparaissent ? Quand est-ce que les bateaux à voile ne sont plus rentables économiquement ? Oui, en fait, c'est la fin du 19e. C'est-à-dire que, en fait, les grands cargos à voile qu'on appelle les clippers sont encore rentables sur les routes océaniques jusqu'au début des années 1890. Pour le transport des passagers, on va plutôt utiliser la vapeur parce que c'est plus régulier. Mais pour le transport de marchandises, et en particulier pour les pondéreux, on utilise les clippers. Donc pour le transport du charbon, mais pour aller d'Australie en Angleterre, on continue d'utiliser les clippers. D'accord. En fait, ce qui va être décisif pour les bateaux à vapeur, c'est la vapeur, mais c'est surtout la turbine à vapeur. D'accord. La turbine, c'est le nom du premier bateau sur lequel il y a une turbine, c'est 1893. Et la turbine, bah, comme vous le savez, c'est... Vous faites passer de la vapeur sous pression dans un machin dans lequel il y a un rotor, d'accord ?
Et ce rotor, il est entraîné par le jet de vapeur, il va tourner très vite. Pourquoi c'est ça qui est décisif? Parce que c'est ça qui permet de faire tourner une hélice. Tant que vous avez des roues à aubes, les roues à aubes, elles tournent lentement et ça ne va pas vite. Allez chez Mickey voir le bateau sur la rivière, vous ne ferez pas du 200 à l'heure avec. En revanche, à partir du moment où vous avez une turbine, d'abord à vapeur et ensuite à gaz, ben en fait, cette turbine, vous pouvez la faire tourner très vite, donc elle va entraîner une hélice qui va très vite. Et donc, vous pouvez atteindre des très grandes vitesses. La turbine, là, elle va à 90 à l'heure. Alors que les bateaux à roues à aubes, 20 à l'heure, vous risquez déjà de péter les aubes. D'accord ? Et en particulier, les bateaux à roues à aubes, quand la mer est forte, les vagues risquent de faire tourner les aubes à l'envers. Bon, alors que la turbine, ça entraîne les hélices qui sont sous-marines, il n'y a pas de problème. Bon, il reste quand même le plus important, parce que normalement, les garçons, ils aiment les voitures. Et donc, moi, je suis un garçon, donc je devrais vous parler de voiture, parce qu'à un cours, on parle forcément de voiture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en matière de voiture à vapeur? En fait, on ne fait pas grand-chose, parce que les voitures à vapeur, c'est quand même plutôt l'exception que la règle. Alors, en fait, il y a un développement d'automobiles à vapeur, ça c'est le fameux locomotive routière de Léon Bollée, que vous pouvez d'ailleurs voir encore une fois au musée du CNAM. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit bien là-dessus que ça ressemble tout à fait à une carriole à laquelle on a greffé une machine à vapeur. Mais en fait, les vrais automobiles qui ressemblent à des voitures avec de la vapeur, il n'y a pas. D'accord ? Il n'y a pas, si, vous pouvez trouver des curiosités comme cette Stanley 1924 qui est effectivement une vraie voiture à vapeur. D'accord ? Donc il y a une bouilloire dedans et à la sortie de la bouilloire, vous avez un piston qui actionne, un vibrequin qui actionne les roues. Mais évidemment, ce n'est pas efficace. La preuve en est que l'année même où la Stanley à vapeur est lancée, elle vaut 4 000 $, alors que pour le même prix, vous pouvez avoir une Ford Model T qui est un peu moins chic. Qui a à peu près les mêmes performances, et qui, pardon, pas pour le même prix, pour 8 fois moins cher, vous avez les mêmes performances chez Ford. D'accord ? Donc, de manière évidente, la vapeur, elle est dépassée dans des applications mobiles où il vous faut de la puissance compacte. D'accord ? Et c'est encore plus évident en ce qui concerne les avions, puisque, bon, les avions à vapeur, il y en a, oui, il y en a eu, ça d'accord. Mais c'est pas l'habitude. Et même, en fait, quand on se souvient de l'histoire de l'aviation, bon, ok, il y a un Français qui a inventé un avion à vapeur, qui est encore au musée du CNAM, qui est l'Éol, mais à peu près tous les gens sérieux disent que ce truc n'a pas volé. Il s'est élevé dans l'air, c'est-à-dire qu'en gros, il a profité d'un effet de sol. Vous voyez la différence entre l'effet de sol et la portance, d'accord ? L'effet de sol, c'est quand vous avez de la vitesse. Quand vous faites de la vitesse à proximité du sol, vous avez en fait produit une compression de l'air entre le sol et votre plan de portance qui fait qu'il soulève, d'accord ? C'est ce que vous avez dans un aéroglisseur, par exemple. Un aéroglisseur, il ne vole pas, il profite de l'effet de sol, parce qu'il comprime l'air en se déplaçant. Mais ce qui fait qu'un avion vole, c'est la portance, c'est-à-dire que c'est la différence de vitesse entre le flux d'air qui passe sur l'aile et le flux d'air qui passe sous l'aile. Ça, cet effet de portance, il attire l'avion vers le haut, et il y a typiquement un effet de portance dans les capotes des voitures décapotables. La raison pour laquelle les capotes de voitures décapotables se déforment, c'est que comme l'air qui va au-dessus va plus vite que l'air qui est en dessous, et pour cause, c'est que normalement l'habitacle est fermé, donc l'air qui est en dessous ne bouge pas, ça aspire la capote. Le vol, c'est cette aspiration qu'on appelle l'effet de portance. C'est pas pareil que l'effet de sol, qui est la compression de l'air au-dessus du sol. Donc le truc d'Ader, qui s'appelait d'abord l'avion et puis l'éole, il n'a pas volé, il a profité de l'effet de sol. Bon, il y a tout un tas de recherches en ce moment sur l'effet de sol. Les Russes sont les spécialistes de ce machin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des écranoplanes, mais c'est des espèces d'avions qui volent dans l'effet de sol. Le premier vrai avion, c'est l'avion des frères Wright de 1902, d'accord ? Le premier avion intéressant, c'est celui de Blériot qui traverse la Manche en 1908. Vous en avez une copie au musée du CNAM. Et puis, en 1929, comme vous le savez, Lindbergh traverse l'Atlantique, il s'est fait New York-Paris. En 1933, on dépasse déjà 680 km/h en vol à plat dans des avions avec des moteurs à piston. Et 1933, c'est aussi l'année où on a le premier avion à vapeur qui a à peu près les performances de l'avion de Blériot. D'accord ? Donc tout le monde a compris que la vapeur, c'était pas fait pour faire des avions, parce que les moteurs à vapeur, c'est trop lourd, et que si vous voulez de la puissance dans un petit volume, il vaut mieux des moteurs à pétrole. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on a avec les avions, c'est que c'est très compliqué de remplacer. Aujourd'hui, bien sûr que Airbus, Boeing, tout le monde travaille sur des avions électriques, mais la question de savoir comment on va remplacer le moteur à explosion, qui aujourd'hui n'est plus un moteur avec des pistons, d'accord, mais qui est un moteur à turbine, qui est en fait une turbine. Savoir comment est-ce qu'on va remplacer des moteurs à essence, à pétrole, par des moteurs à autre chose, qui permettront d'obtenir une même puissance, on ne sait pas. D'accord, mais toujours est-il que la raison pour laquelle la vapeur va être finalement supplantée,
c'est qu'elle permet des applications nombreuses. On a vu les applications industrielles, les applications agricoles, les applications de transport. Mais son problème, c'est que les machines à vapeur, ça ne se miniaturise pas beaucoup. Et la raison pour laquelle ça ne se miniaturise pas beaucoup, c'est qu'il faut du charbon et de la flotte. Et le charbon et la flotte, fondamentalement, ça pèse beaucoup. Alors évidemment, vous avez une manière particulière de faire de la vapeur, qui sert encore dans les fusées. C'est une application de la vapeur qui est un peu... Là, c'est difficile de moduler la puissance, d'accord ? C'est-à-dire que mettre une machine à vapeur sur votre vélo, ça existe. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un Suisse qui fait du vélo avec un... Alors, il ne fait pas hydrogène-oxygène, mais il fait avec du peroxyde d'hydrogène. Vous n'avez pas vu ça ? Il suffit de taper dans YouTube « bike hydrogène-peroxyde » et vous allez voir le mec qui va, je ne sais pas combien, 300 à l'heure sur son vélo. Mais évidemment, ce n'est pas une technologie extrêmement recommandable. C'est mal contrôlé. Je vous conseille d'éviter dans la circulation parisienne de trafiquer votre vélo pour arriver à 300 à l'heure. Il y a quand même des Allemands qui ont fait des vélos à vapeur. Mais vous voyez bien que c'est là que le problème de miniaturisation devient évident. Surtout s'il faut vous trimballer des sacs de charbon qui sont en plus pas propres. Bon, ok, j'arrête les blagues. Évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est pas de continuer dans le détail des innovations techniques. Même si vous allez assez rapidement comprendre que j'ai un penchant pour les bielles, les manivelles, les soupapes, les lumières, les cylindres, etc. Bon, l'intérêt, évidemment, c'est l'effet que ça va avoir sur la vie des personnes réelles. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on voit cet effet ? Ben, on peut regarder sur un certain nombre d'indicateurs de volume, concrètement, comment ça change. Alors, premier truc qu'on peut regarder, par exemple le coastal trade, donc on va dire le commerce de cabotage. D'accord ? Donc, en gros, là, on va parler de la navigation commerciale, mais autour de l'Angleterre, parce que là, on parle de l'Angleterre. Et on voit qu'au cours du XVIIIe siècle, ça a augmenté de 20% par an. Ce qui, en gros, le taux de croissance du commerce maritime de cabotage de l'Angleterre au cours du XVIIIe, c'est 1%. Donc ça, ça va être un peu notre point de comparaison. Pourquoi ? Ben parce que ce qu'on sait, c'est que justement, ce commerce de cabotage, il n'a absolument pas bénéficié des innovations techniques au cours du XVIIIe siècle. Bon, si on regarde maintenant le fret routier, il augmente, donc le fret routier, c'est le transport de marchandises par la route. Ça augmente de 1%, 1,3% par an en moyenne pendant la première moitié du 18e, 3% par an en moyenne pendant la deuxième moitié du 18e, pas parce qu'on fait des inventions technologiques, mais parce qu'on fait des routes. Donc de fait, quand vous construisez des infrastructures, ça a un impact sur le commerce. Ensuite, si on regarde maintenant les passagers qui sont transportés par la route, c'est une multiplication par 5. Là, concrètement, qu'est-ce qu'il a fallu faire comme innovation technique pour transporter plus de passagers ? J'ai déjà dit, le grand truc, c'est les routes. Si vous avez des routes dégueulasses, ça ne marche pas, parce que les gens vont à cheval et vous ne pouvez pas en transporter beaucoup. Si vous avez des bonnes routes, ça marche mieux. Mais en plus d'avoir des bonnes routes, qu'est-ce qu'il faut pour transporter les gens ? Pardon ? Il faut des autocars. Mais le problème de l'autocar, c'est que là, la machine à vapeur, on ne peut pas la mettre dans un autocar à l'époque, puisque l'autobus du Léon Bollé que vous avez vu, c'est 1900, en gros. Pardon ? Ben les trains en 1800, il n'y a pas, puisqu'on a vu, c'est 1830. Non, on a des voitures à cheval, mais il y a un truc crucial dans la voiture à cheval. La qualité de la calèche, elle ne change pas. Ce qui va permettre d'aller plus ou moins vite, c'est la qualité de la route. Ça, on a dit, c'est bon, les Anglais, ils ont des routes en macadam très vite. Oui. Mais non, la roue. Oui, enfin, la roue, ça fait un moment quand même qu'on sait. Enfin, il y a des civilisations qui n'ont pas la roue, d'accord, comme les Aztèques, les Incas, ils n'ont pas la roue, on sait. Mais en Europe, bon, la brouette a été inventée au XIe siècle, donc bon. Oui, mais ça arrive beaucoup plus tard, en fait. Les pneus, la suspension, ça arrive beaucoup plus tard. Mais non, oui. Voilà. Exactement. Parce qu'on l'a vu dans le cas du manège, le cheval, il fatigue. Hein. Surtout, plus vous voulez aller vite, plus le cheval va être fatigué. Donc le vrai sujet, c'est le changement de cheval. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que c'est exactement la problématique dans laquelle on est en train de retomber avec les voitures électriques. La voiture électrique, c'est super, mais vous ne faites pas 500 bornes. Donc, il faut recharger vos batteries souvent. Et donc, du coup, un des sujets, c'est est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas carrément changer de batterie et donc avoir un espace où on peut changer les batteries plutôt que de les recharger. Bon, ben, de fait, ce qui va être déterminant, c'est la construction d'infrastructures et l'installation des relais de poste, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, les relais de poste, où vous pouvez changer vos chevaux. En Angleterre, en 1800, les relais de poste, c'est 15 miles. Donc tous les 25 km, vous changez de chevaux. Du coup, vos chevaux, bah, ils carburent. Mais du coup aussi, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui va gérer un réseau de relais dans lequel ils vont avoir une quantité de chevaux, parce que les chevaux sont interchangeables, les équipages sont interchangeables.
Sachant que les diligences, c'est 4 ou 6 chevaux, d'accord. Donc c'est quand même des trains de chevaux qu'il faut changer. Oui. On disait 500 chevaux pour les pompes. Là aussi, je veux dire, la gestion des chevaux, vivement l'autocar, comme vous disiez. Bon, alors évidemment, l'arrivée du chemin de fer, ça va totalement changer les taux de croissance. Parce que ce que vous voyez, c'est que le taux de croissance du fret par chemin de fer, donc des marchandises transportées par chemin de fer entre 1840 et 1870, 1840, c'est, en gros, on invente la locomotive en 1830, commence à y avoir un usage commercial développé en 1840, donc les 30 années qui suivent l'ouverture des premières lignes de chemin de fer, le taux de croissance du trafic, c'est 13%. Autrement dit, le taux de croissance du trafic naturel, c'était au 18e, c'était 1%. Quand on développe l'infrastructure et l'organisation, on arrive à croître à 5% par an. Quand on a une innovation technique de rupture, on est à 13% par an. Donc on augmente les taux de croissance dans des proportions délirantes. Alors on a vu que ce n'est pas le rythme auquel croît le PIB. Mais vous savez bien que pour faire croître le PIB d'1% par an, il faut faire croître le commerce de plein de pourcents par an. Parce que le commerce croît toujours plus vite que le PIB. Et à la même époque, le commerce de voyageurs croît un peu moins vite, mais enfin, il croît quand même nettement plus vite qu'il ne croissait quand c'était seulement la route. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi mesurer, alors ça c'est, encore une fois, c'est une mesure macro, je vous prie de m'excuser, c'est une mesure macro, c'est-à-dire on voit des taux de croissance complets des gros agrégats macroéconomiques. Maintenant, si on veut essayer de mesurer l'expérience microéconomique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait pour un voyageur, le développement des chemins de fer, puis le développement de l'avion. En fait, on mesure ça avec des lignes isochrones. Les lignes isochrones, c'est des lignes de distance qui est parcourue dans un temps donné. D'accord. Donc vous voyez par exemple une magnifique carte des États-Unis. On part de New York, ce qui est quand même une drôle d'idée, moi je préférais y aller, mais enfin peu importe. On part de New York et on se demande en combien de temps on peut être dans différents endroits. Et ce qu'on voit, c'est que alors, à gauche, on est en 1800, à droite, on est en 1830. Et on constate quoi ? Ben, on constate qu'en 1800, par exemple, il faut 2 semaines pour arriver au début de la Floride. D'accord ? Alors qu'en 1830, il faut plus qu'une semaine. Là, c'est pas à cause des chemins de fer, puisqu'il n'y en a pas encore. Enfin, oui, il y en a dans les mines, mais il n'y a pas de chemin de fer pour le transport des passagers. C'est uniquement par l'amélioration soit des voies routières, soit du cabotage. Probablement un peu des deux. D'accord ? Mais donc, en fait, entre 1800 et 1830, les transports aux États-Unis ont progressé. Alors, ce que vous voyez, c'est que ça ne progresse pas de manière uniforme. Parce qu'en revanche, quand on va vers le nord, en 1800, il faut une semaine pour aller, on va dire, dans le Maine, ou dans le Vermont. Et en fait, en 1830, il faut 5 jours pour aller au même endroit. Donc, évidemment, les progrès sont et la topologie des lignes isochrones est irrégulière, tout simplement parce qu'on va développer en priorité les communications qui sont les plus utilisées. Mais ce que vous voyez, c'est que en 1857, quand là on a déjà des chemins de fer qui sont développés sur la côte Est, bah, il faut plus qu'une journée pour aller de New York à Chicago, de New York à Washington, mais aussi d'ailleurs et 2 jours pour aller à Chicago. Alors qu'en 1800, pour aller à Washington, il fallait environ 4 jours, le bout de la baie de Chesapeake, et pour aller à Chicago, donc sur le lac Erie, il fallait non pas 2 jours, mais 6 semaines. Donc, on a divisé les temps de transport par 2 pour aller de New York à Washington. On a divisé les temps de transport par 20 pour aller de New York à Chicago. Oui, pardon. L'histoire ne le dit pas. Mais en gros, si on raisonne en termes de journée de boulot, c'est une journée de boulot perdue. Voilà. Alors, les trains vont continuer à progresser, d'abord parce que, en gros, en 1800, comme vous le savez, en 1850, on a évidemment, si vous voulez, la côte Est, elle est à peu près entièrement pourvue, mais il n'y a pas de transcontinental, puisque l'aventure transcontinentale, ça a commencé dans les années 60. Et donc, c'est seulement, en gros, dans les années 80 qu'on a des transcontinentales réguliers. Et puis ensuite, on va substituer à la locomotive à vapeur des locomotives plus rapides, si bien que quand on est rendu en 1930, ben d'abord vous allez en Floride en une journée, et vous allez en Californie en seulement 3 jours, alors que pour aller en Californie en 1800, c'était même pas imaginable. D'accord, c'est que pour aller en Californie en 1800, prenez un bateau, il fallait passer par le Cap Horn, en gros. Ou alors risquer de se faire manger par les Indiens. Mais en plus, en 1930, ce qu'il y a, c'est qu'on a le développement des avions,
Et donc, de fait, alors, vous savez qu'aux États-Unis, dès 1930, vous avez des lignes aériennes régulières. Et donc, dès 1930, vous êtes en Californie en un peu plus d'une journée. Cela dit, ce qui est assez dingue, pour indiquer quand même comme le rythme de vie a complètement changé, c'est qu'en 1931, aux États-Unis, on inaugure un train rapide, dont j'ai oublié le nom, qui fait San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, en 3 jours et demi. Et ce n'est pas le train des pauvres, c'est le train des riches. C'est-à-dire que quand on a du pognon, on prend 3 jours et demi pour aller de Washington, pour aller de San Francisco, de Los Angeles à New York. Et les gens ne sont pas à 3 jours et demi près. Aujourd'hui, l'idée de passer 3 jours et demi dans un déplacement, c'est pas possible, on perd 3 jours et demi. Quoi. Et donc on a évidemment envie d'aller en avion. Mais dans les années 30, on est encore sur un rythme où le déplacement, ça prend du temps. Et donc, ça paraît parfaitement naturel. Donc, il faut offrir aux riches les conditions de vie des riches dans leur train. 30 ans après, on ne voyage plus qu'en Concorde, parce que ce n'est pas possible de passer plus de 2 heures dans un truc pareil. Alors, pourquoi je vous ai montré les cartes des États-Unis ? Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver des cartes isochrones pour la France. Bon, alors, comment on ne va pas s'arrêter ? Si, j'en ai trouvé une, mais c'est une carte isochrone pour la France en je ne sais pas quoi, en 1900, donc... c'est pas très indicatif. Et ce qu'on voit, ce qui apparaît manifestement sur cette carte isochrone, c'est que il y a des pénétrantes qui sont les fleuves et qui sont quelques routes. Et que d'ailleurs, l'essentiel du réseau de pénétrantes, c'est une étoile qui rayonne autour de Paris. Bon, fin de la parenthèse. Alors, ceci dit, puisqu'on a commencé dans la présentation de la révolution industrielle, je vais quand même vous parler 2 minutes de la suite, quand même pour situer un peu cette révolution industrielle de la vapeur. En fait, la suite, ça va être quoi ? Ça va être que dans la production industrielle, on va remplacer les machines à vapeur par des machines électriques, avec les avantages que je vous ai indiqués, c'est-à-dire que la machine électrique, elle est autonome, donc vous n'êtes pas obligé de démarrer la machine à vapeur et de faire marcher la machine à vapeur et tout l'atelier pour faire marcher une machine. Donc en particulier, vous pouvez mettre en chômage technique une partie de l'atelier, donc c'est évidemment beaucoup plus flexible la machine électrique. Dans l'agriculture, comme dans les transports, on va remplacer le moteur à vapeur par un moteur qu'on appelle soit électrique, qu'on appelait un moteur explosion, mais de plus en plus sur des moteurs à combustion interne, ce qui est un calque de l'anglais, en fait, et qui n'est pas très malin, parce que la plupart des moteurs sont de fait des moteurs à combustion interne. Enfin, peu importe. Et dans les transports aussi, quoique par ailleurs, on a les trains électriques, avec d'ailleurs un développement de trains électriques particuliers, que sont les maglev. Où est-ce que c'est les maglev ? C'est les monorails à sustentation magnétique qui sont développés... il y en a en Chine. L'aéroport de Shanghai, maintenant, pour y aller, vous avez un maglev qui va à 400 à l'heure. Et puis, l'avenir, c'est l'hyperloop, donc le train du mec de Tesla, là, aussi Elon Musk, dans un tube sous vide. Donc, l'intérêt d'avoir un train dans un tube sous vide, c'est comme il n'y a pas de frottement, une fois que vous l'avez accéléré, il n'y a plus à avoir d'énergie, il soutient sa vitesse, et donc vous faites un tube entre Paris et New York qui passe sous l'océan, et hop, vous mettez un train dedans, il suffit de lui donner une impulsion, et puis il va à 2000 à l'heure jusqu'à New York, avec une consommation d'énergie quasi nulle. Bon, évidemment, le problème de ça, c'est que les infrastructures sont coûteuses. Mais c'est pour dire qu'en tout cas, il y a une énergie on peut imaginer de mobiliser l'énergie électrique pour les transports, pas seulement comme on le fait avec les trains actuels. Bon, ensuite, pour les bateaux, pour l'essentiel, les bateaux sont maintenant des bateaux à huile, d'accord, avec des huiles lourdes, de mauvaise qualité, et éventuellement des navires nucléaires, puisque là, on peut mettre une chaudière nucléaire dans un navire. C'est le cas en particulier des navires de combat, parce que c'est une grande autonomie, ou des brise-glace. En revanche, dans les véhicules individuels, on a plutôt des moteurs à explosion, ou des moteurs à réaction dans les avions. Parce que les moteurs à réaction, c'est ce qui donne le meilleur rapport poids-puissance, d'accord ? Mais ça a comme problème les moteurs à réaction que ça crée une... D'abord, c'est extrêmement polluant. Et je ne sais pas si vous avez déjà été derrière un réacteur, mais ça chauffe un peu quand même. Donc dans la circulation urbaine, ce n'est pas une très bonne idée. En gros, la température de sortie des gaz d'un réacteur, sans réchauffe, c'est 600 degrés. D'accord ? Après, un réacteur dans lequel vous mettez de la réchauffe pour avoir plus de puissance, vous êtes au-dessus de 800 degrés. Au feu rouge, ça allonge quand même la file de voiture. D'accord ? Donc ce n'est pas très utilisable comme ça. Et puis l'espèce de machin que je vous ai montré, là, la fusée qui décollait, ça c'est ce qu'on appelle des propulseurs ergoliques, d'accord ?
Donc c'est bien, mais là encore, le jet de panache, il est ingérable. Donc en gros, c'est que sur des véhicules que vous n'allez pas suivre. Enfin, je vous déconseille de suivre une fusée, si l'idée vous venez à l'esprit. D'abord, en vélib, vous allez quand même beaucoup vous fatiguer. Et puis ensuite, ça brûle. D'accord. Voilà. Bon, alors, la question, c'est... Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas des moteurs fusées sur les trains? C'est une bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé. En fait, on a essayé. Si vous prenez le train entre Paris et Orléans, et après Limoges, Toulouse, etc., vous allez voir une espèce de rail en béton. Enfin, surtout, en gros, dans les 11 derniers kilomètres avant d'arriver aux Aubrais, vous allez voir un monorail en béton sur des piliers. Si vous vous êtes jamais demandé ce que c'était, en fait, c'était la voie du monorail qui avait été inventée par Jean Bertin et sur lequel il faisait passer l'aérotrain. Donc là, il n'est pas en train de faire la course avec une moissonneuse-batteuse, parce que ça, il était à peu près sûr de gagner, mais ça rappelle qu'il passait dans la Beauce. Et alors, en fait, l'aérotrain, c'est rigolo, ça n'a jamais marché, c'est le type même de délire d'ingénieur français. C'est-à-dire que Jean Bertin était un polytechnicien extrêmement brillant, tous les polytechniciens. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un polytechnicien et un train? Non, mais c'est que le train, lui, quand il déraille, il s'arrête. D'accord, le polytechnicien, quand il déraille, il continue. Voilà, donc... En fait, pourquoi l'aérotrain était une impasse? Parce que développer un aérotrain, ça marchait avec une turbine à gaz, d'accord? Oui, la turbine à gaz, elle est au-dessus, d'accord? Fondamentalement, une turbine à gaz, c'est un réacteur. Et donc, ça produisait une énergie suffisamment forte pour amener la cabine de l'aérotrain à 500 km/h. Pour mémoire aussi, la première version du TGV, c'est une turbine à gaz. Mais c'est à cause du choc pétrolier que les ingénieurs SNCF ont compris que la turbine à gaz, ça n'allait pas le faire. Et donc, il valait mieux un train électrique grâce à l'électricité nucléaire qui ne coûtait rien. Bon, bref. Donc, le problème de l'aérotrain, c'est qu'une turbine à gaz, quand il y a un choc pétrolier avec une cabine dans laquelle vous mettez 80 passagers, c'est pas rentable. Voilà. Et en plus, alors, il y a un gain de temps, d'accord. C'est-à-dire que l'aérotrain, il faisait Orléans-Paris en 20 minutes. Alors qu'aujourd'hui, le corail, il fait en 1h08. D'accord. Enfin, il fait en 1h08 quand il n'est pas en retard, c'est-à-dire jamais. Mais bon, en général, il fait entre, en gros, 1h10 et 3h50. Plutôt 1h10. Vous avez l'impression que 20 minutes, c'est deux fois moins de temps. Oui, enfin, sauf que quand vous êtes à Orléans pour aller prendre le train, vous mettez une demi-heure. Et quand vous êtes à Gare d'Austerlitz, pour aller de Gare d'Austerlitz ailleurs, vous mettez une demi-heure aussi. Et donc, quand vous y pensez, vous comparez ensuite 1h10 plus 1h, donc 2h, à 20 minutes plus 1h, égale 1h20. Donc, en fait, ce que vous gagnez n'est pas énorme, mais ce que vous dépensez comme kérosène en plus, c'est délirant. Donc, l'intérêt du truc, ben, c'est pas sûr. Donc, ceci pour vous dire que ce qui est important dans la technologie, c'est évidemment la technologie parce que c'est super excitant pour les gens qui aiment la technologie, mais c'est surtout de savoir si la technologie est rentable ou pas. D'accord. Et ce qui va faire que la technologie est rentable ou pas, ben, c'est qu'il y a un modèle économique. Et pour que le modèle économique soit avéré, ben, il va falloir un développement technique et puis un développement des usages qui va trouver les preneurs. D'accord. Et donc, si on veut présenter une espèce d'évolution des technologies de transport, ben on voit d'abord, je ne fais pas une faute d'orthographe absurde qui consisterait à dire que les canons, c'est le pluriel d'un canal, d'accord, mais c'est que on parle anglais là. En fait, le premier développement qu'on va avoir en matière d'infrastructure et de méthode de transport, c'est un développement des canaux. Et là, ce qu'on voit, c'est que le développement des canaux, il va entraîner une croissance du trafic très rapide. En fait, voilà, en Angleterre, le moment où vraiment il va y avoir des investissements dans les canaux, ça va être à partir enfin, en fait, ça va être quasiment le tournant du siècle, mais c'est les années 1820. Et puis ensuite, c'est les chemins de fer, et on voit que les chemins de fer vont dépasser les canaux en termes d'investissement dans les années 1850. Et puis après, c'est le développement des routes, mais pas les routes au sens, les routes pour les calèches, d'accord, mais les routes pour les automobiles, dans le but de développer le trafic automobile. Et puis ensuite, ça va être le développement des infrastructures aériennes. Et puis alors bon, le truc suivant, est-ce que c'est le maglev ou est-ce que c'est les tuyaux, les Hyperloop, voilà, Elon Musk, l'histoire le dira, n'est-ce pas? Pour l'heure, hein, ce qu'on voit bien quand même, c'est que, en fait, il y a un décalage important entre l'innovation technique et les effets sociaux de cette innovation technique, et ce sera évidemment l'objet de la prochaine séance que de montrer les effets induits de la révolution industrielle sur l'économie des pays qui l'ont pratiqué. Il est presque l'heure, mais vous avez le temps de sortir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon point de semaine.